Le tribunal criminel. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public compte Monsieur C.C. Raphaël Lava, Monsieur Alpha Amadou Baldé, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur Claude Pivi, Monsieur Moussa Kiegoro Kamara, Monsieur Ibrahim Kamara Di Kalonzo, Monsieur Aboubakar Gakite Di Toumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dadis Kamara, Monsieur Mamadou Aliou Keita, Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Tamba Gabriel Diawara, venez s'il vous plaît. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français? Bon. Vous avez le choix entre parler étant debout ou si vous voulez vous asseoir, vous le dites. Je préfère rester debout. D'accord. En attendant. En tant que témoin, vous pouvez aussi demander à ce que vous soyez entendu à huis clos, c'est-à-dire hors la présence du public. Je n'ai pas de choix parce que je n'ai rien de confidentiel à garder. Alors, quel est votre nom? Je suis Diawara Tamba Gabriel. Vous avez quel âge ou votre date de naissance? Je suis né le 20 mars 1969 à Conakry. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Hein? Quoi? Hein? Reprenez la date de naissance, s'il vous plaît. Je suis né le 20 mars 1969. Où? À Conakry, à l'hôpital Ignace Dine. Quelle est votre profession? Je suis gendarme de profession. Où vous êtes domicilié? Domicilié à Imbaya Taneri. Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont assises dans le box des accusés? Je n'ai pas prêté attention. Les personnes qui sont assises à votre droite dans le box des accusés, est-ce que vous les connaissez? De loin, j'aperçois le colonel Kiegoro que je connais. Les autres, je n'arrive pas à le voir bien. Le colonel Kiegoro, lui, je l'ai déjà vu dans la salle ici. Je veux parler de tous les accusés dans cette affaire. Vous dites? Je veux parler de tous les accusés dans cette affaire. Ceux que vous venez de citer, je connais le
capitaine Dadis, le colonel Blaise Goumou, le colonel Moussa Thieboro, le colonel Ibrahima Kalonzo et le capitaine, le commandant Marcel et Toumba également. Je connais Toumba. Alors, est-ce que vous connaissiez aussi les personnes qui se sont suivies à la barre de ce tribunal en tant que partie civile? Non. Allez-y. Non. Vous vouliez dire à part? Non, je pensais que vous parliez des témoins qui sont succédés. Non, j'ai dit en tant que partie civile. Non. Maintenant, les personnes dont vous venez de citer, ainsi que les parties civiles, est-ce qu'il y a des liens de subordination entre vous et ces personnes-là, ou bien certaines d'elles? Non, il n'y a eu que des liens de collaboration entre nous. Pas de subordination. Il y a eu, et présentement? Présentement? Oui. Non, je suis commandant de l'école des officiers de la gendarmerie. Je relève directement du haut commandant. Est-ce qu'il y a des liens de parenté entre vous et elle? Non. Des liens d'alliance? Est-ce que vous avez épousé chez eux? Non. Est-ce qu'ils ont épousé chez vous? Non. Aucun lien? À part les liens d'amitié et de collaboration, rien d'autre. Des liens d'amitié et de collaboration. Oui, lien d'amitié avec le colonel Thieboro, avec qui j'ai été recruté le même jour en 93, qui a été un très bon ami. En plus, j'ai été le parrain de son mariage. Est-ce qu'on peut le faire prêter le serment du témoin, ministère public? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public ne trouve pas d'objection par rapport à la prestation de serment que Monsieur Gabriel peut faire en tant que témoin, parce que tout simplement, il n'est pas compris dans la liste qui est énumérée à l'article 428 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Partie civile. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection par rapport à la question posée. Je vous remercie. Il peut être entendu comme témoin. Défense. Monsieur Diawara, vous êtes cité à la barre de ce tribunal. Vous vouliez parler? Dire qu'il n'y a pas d'objection. D'accord. Merci bien. Je disais que vous étiez cité à la barre de ce tribunal comme témoin par la défense. Et à ce titre, le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et on va vous faire prêter le serment du témoin. Vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous levez votre main droite et vous dites, je le jure. Je le jure. Monsieur Gawara, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je présente mes civilités au tribunal de première instance de Dixine, déplacé à la cour d'appel pour les événements du 28 septembre. Les événements du 28 septembre, je ne peux placer aucun mot parce que, n'ayant pas participé,
n'ayant su les événements qu'après, parce qu'étant en service, j'étais dans mon service au PM3, lorsque j'ai appris qu'il y a eu les événements du 28 septembre et que certains leaders ont été transportés au commandement de la gendarmerie nationale. Je n'ai pas poussé ma curiosité, je suis resté dans mon unité. C'est tout ce que je sais. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gabriel. Oui. Vous n'avez pas été informé des événements du 28 septembre, des préparatifs des événements du 28 septembre au stade. Moi, j'ai travaillé au PM3, qui était en ville, en face du ministère de l'administration du territoire. Le matin, je quitte chez moi, je viens à mon service. Je ne sais rien de ça. Donc, vous étiez commandant du PM3 au moment des faits? Au moment des faits, je n'étais pas commandant du PM3. Je travaillais dans cette unité comme officier de police judiciaire. C'est le colonel Baouri qui commandait le service. Vous étiez chef PJ ou bien vous étiez officier de police judiciaire? J'étais simple officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une affaire concernant Ibrahim Kalonzo? Oui. Il s'agissait de quoi? Bon, j'étais parce que on avait des groupes de planification. Moi, je gérais un groupe. Chaque groupe avait un chef. Le jour que je suis monté de service, j'ai trouvé le colonel Kalonzo en prison. Kalonzo est un aîné à l'école des officiers. Mieux. Vous pouvez nous dire la date, le jour où vous l'avez trouvé en détention? Non, je ne peux pas le préciser. Oui, vous pouvez continuer. S'il voilà. Vous je dis que c'est un aîné à l'école des officiers. Mieux. C'est un condisciple à l'Académie de l'infanterie mécanisée de Shizuozhang en Chine, où nous avons appartenu à la même promotion, lui et le colonel Chiboro. Il était en prison, il a mis un temps, et quand j'ai su que c'était le démêlé entre lui était lié au problème d'argent, je me suis déplacé, je l'ai pris, je suis allé rencontrer le colonel Chiboro, où j'ai terminé le problème entre les deux. Et le colonel dit, bon, il dit, il ne sait parce que je n'ai plus confiance en lui. C'est à l'issue que Kalonzo m'a dit qu'il a été muté à Fria, à la compagnie CBK ou quelque chose comme ça, à la compagnie de Fria, comme conseiller militaire. Je crois que si on peut situer la date, à partir de là, on peut savoir à quelle date il a quitté le PM3. Donc vous, personnellement, vous ne savez pas à quelle date il a quitté le PM3? Non, Kalonzo a quitté le PM3, c'est antérieur à ma nomination comme commandant du PM3. Parce que moi, on m'a nommé commandant du PM3, j'étais encore lieutenant. C'était au mois d'octobre 2009. Alors, pouvez-vous vous rappeler le temps qu'il avait fait au PM3, le temps de détention, un mois, une semaine? Avec netteté, je ne peux pas. Est-ce que vous savez à quel moment il est sorti de la prison, le PM3? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit avec netteté, je ne peux pas, mais à partir de son envoi à Fria comme conseiller militaire, à partir de là, on peut savoir. Parce que c'est le lendemain de sa sortie qu'il a été muté à Fria. Ça, c'est les faits là ont été sa mutation. Est-ce que vous savez si sa mutation est antérieure aux événements du 28 septembre ou postérieure aux événements du 28 septembre? Quel temps vous pouvez situer sa détention? Je ne peux pas. Moi, ma nomination au PM3 est postérieure au 28 septembre. Votre nomination est postérieure? Oui, quelques semaines après le 28 septembre, on m'a nommé commandant du PM3. Et c'est en ce moment que vous l'avez rencontré en prison? Non. Bien avant ça. Bien avant ça. Bien avant. Donc, le 28 septembre, vous n'étiez pas au PM3. J'étais au PM3. Vous étiez au PM3. Oui. Est-ce que ce jour,
Colonel Kalonzo était en détention depuis un mois, le 27 septembre. Avec la défaillance de la mémoire humaine, je ne peux pas vous dire qui dit était. C'est pourquoi j'ai pris la fourchette entre août et septembre. Mais quand je vous dis tel qu'il était là, non. Donc, il n'y a aucune précision, aucune certitude pour vous qu'il était en prison le 28 septembre. Vous ne savez pas. Non. Mais j'ai eu dire qu'il y était. Il y était, mais je veux parler du 28 septembre, ce jour. C'est ce que je vous dis. Je ne peux pas être précis sur ça. Est-ce que vous savez qu'il y a une concision? Parce qu'il a été. Il a appris par lui. Donc il ne peut pas dire. Il n'a pas parlé. Il ne peut pas dire. Il a appris par lui. Mais celui qu'on est un autre témoin. C'est pour ça leur donner. Dans son procès verbal d'audition, il a déclaré que Kalonzo était chef d'équipe, une équipe qui était intervenue au stade du 28 septembre, au compte de l'antidrogue. Est-ce que vous, personnellement, vous avez la précision en détention le 28 septembre? Monsieur le procureur, il a répondu plusieurs fois à cette question. Je voudrais, monsieur le président, insister là-dessus. J'ai répondu, je vous ai dit, avec netteté ou précision, je ne peux le dire. Mais ce que je sais, quand Kalonzo a quitté la prison, il ne s'est plus retourné à l'antidrogue. Parce que le colonel Kiebura a dit qu'il ne voulait plus le voir dans le service. À partir de cette date, ou à partir de sa mutation à Chaudafia, on peut savoir si le 28 il y était ou pas. Mais moi, je ne peux pas le préciser. Merci, monsieur le président. On a vu, c'est ça. Colonel Gabriel, ce qu'on peut donc retenir de votre passage, c'est que effectivement Kalonzo a séjourné au PM3. C'est pas venu. Kalonzo a séjourné au PM3 pour le différent qui devient au colonel Kiebura. Vous ne pouvez pas déterminer la période. Ça, je ne peux pas, je l'ai dit, que ça se situe. Vous répondez par oui ou non. Je ne peux pas déterminer. Et c'est vous qui êtes intervenu pour que le problème trouve sa solution avec le colonel Kiebura. Évidemment. Et puisque le 28 septembre, vous étiez à Guinée, vous étiez au pêche. Monsieur le président a dit, c'est celui qui a vu et celui qui a entendu. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du 28 septembre, puisque vous étiez là en fonction? Les événements du 28 septembre, à partir de ma position au PM3, j'ai appris qu'il y a eu une manifestation au 28 septembre où les gens ont été dispersés. Je n'ai su l'ampleur qu'après. Parce que quand on m'a dit qu'on a envoyé les leaders au PM2, là où il y avait une infirmière à l'époque, je n'ai pas poussé ma curiosité pour aller me renseigner. Des fois, la curiosité, elle est bonne. Des fois, elle est dangereuse. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade? Ce jour-là, je ne l'ai pas appris. Le 28 septembre, et le lendemain? Bon, je l'ai appris en l'air. Ce n'est pas une situation que je n'ai pas vécue. Est-ce que, colonel, vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre? Oui, mais l'apprendre, n'importe qui l'a pris. Non, écoutez, on s'intéresse à vous. Vous l'avez appris. Vous, c'est vous qui êtes là. Oui, j'ai appris qu'il y a eu une dispersion de la foule. Il y a eu des morts au stade de la foule. C'est la question. Ça, je ne suis pas allé dans la profondeur. Vous n'avez pas appris? Non. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu des femmes violées au sein de la foule? Vous avez appris ça? Oui, après. Tout ce que vous dites, c'est après que je l'ai appris. Est-ce que cette manifestation avait été enlevée pour être en train de faire? Tu as appris que c'est un peu plus de monde. Est-ce que c'est un peu plus de monde? Non, tu as appris. Même dans le quartier, je l'ai enlevé. Non, il y a de la défensive, quoi.
Colonel, vous avez précisé que parfait. En septembre 2009, vous étiez officier de police judiciaire. Oui. Dans vos attributions régaliennes, vous n'avez jamais dit. Est-ce que vous visitiez vos violons au plein droit? Ah oui. Maître, excusez-moi, monsieur le procureur. Et puis un gendarme aussi. Moi, je le faisais régulièrement, mais à cette époque, je n'étais pas le commandant du plein droit. Je n'étais ni commandant ni adjoint. Simple officier de police judiciaire. Mais quand je montais le service. Vous l'avez précisé. Nous restons dans le cadre de l'officier de police. C'est ce que je vous dis. Vous avez répondu à ma question. Merci. Écoutez ma question après. Donnez votre réponse. Et vous arrivez à placer des citoyens au violon quand vous avez des procédures les concernant. Oui. Le délai de garde à vue des citoyens. Il était bien respecté, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Calonzo, Ibrahima Camara Calonzo, est-ce qu'il avait là-bas un dossier? Je veux dire un dossier de enquête. Il n'y avait aucun dossier sur Calonzo. Il a envoyé Calonzo au PM3. Ah, je crois que c'est. Si le commandant du PM3 était là à l'époque, c'est lui qui était à l'époque. Moi, j'ai vu Calonzo en prison. Et on a vu le différent qui débit au colonel Tchekouro, c'est ce qu'il a amené. Ce n'est pas une plainte qu'il a amené, rien, ni un billet d'arrêt. J'ai estimé que certainement, ça peut aller dans le cadre d'un avis d'autorité. Ça s'apparente donc à une séquestration, c'est ça? En tout cas, moi, j'ai estimé que c'est un avis d'autorité parce que Calonzo était sous le commandement du colonel Tchekouro. Quand la garde à vue n'est pas réglementaire, elle n'est pas supervisée par le procureur de la République, ça s'apparente à une séquestration. Encore que le débat ici est pour que Calonzo, avec plusieurs semaines au PM3, le confirmer. Je le confirme. C'était une séquestration de la part de son supérieur hiérarchique de l'époque, M. Moussa Thiébro Camara. Vous informez que le 28 septembre, vous ne vous souvenez pas si M. Ibrahima Camara Calonzo était physiquement là-bas? Oui, je ne pouvais pas tous ceux qui étaient en prison individuellement savoir tel et là, tel n'est pas là. Et il y avait un mouvement. À partir de la ville, on apprenait qu'il y avait des mouvements. Comment dirais-je, au stade. Alors j'arrive. Attention à ça. D'accord. La capacité d'accueil de vos violons était combien de citoyens? Je ne pouvais pas, je ne peux pas l'estimer, parce qu'à l'époque, je n'étais pas le commandant du bien. Oui, mais vous preniez des mesures de garde à vue, non? Oui, des mesures de garde à vue étaient étendues jusqu'à la grande salle où on mettait les gens. Il y avait une grande salle. Il y avait les violons où on mettait les gens. Mais c'était l'époque. C'était l'époque, je ne peux pas... Je ne connaissais pas la capacité de ces violons-là parce que je n'entrais pas dedans. Officier de police judiciaire, vous ne rentriez pas au violon. Vous ne jetiez pas coup d'œil pour voir les conditions dans lesquelles vous ordonnez un placement sous le régime de garde à vue. Monsieur le procureur, je parle à la face du monde. Les gens savent ce que je faisais au PM3. Monsieur, je ne me vante pas de ça. Monsieur, oui. Ma question est toute simple. J'ai dit que je reste dans le cadre de ce que vous étiez en septembre 2009, oui. Officier de police judiciaire. Oui. Je ne vous ai jamais parlé du commandant que vous étiez, du commandant de PM3. Okay. La période qui m'intéresse, c'est uniquement septembre 2009. Oui. Et cette période-là, je pense que tout procureur qui vient pour inspecter un service de police judiciaire, quand il s'intéresse au violon, il prend et le commandant d'unité, et le responsable de la police judiciaire et les OPJ pour qu'ils s'y rendent. Vous avez fait un temps, officier de police judiciaire, j'ose croire que le procureur de Kaloum, quand il fait une inspection, il vient avec vous. Donc, dire que vous ne connaissiez pas la capacité d'accueil de vos violons, ça me laisse perplexe.
avec précision. Avec précision. Je ne peux pas dire tel violent, voici sa capacité, on pourrait mettre 10 personnes, 5 personnes, je ne peux pas le préciser. Mais il n'y avait pas un violent pour une personne ou deux personnes. Il y a des violents où on pourrait retrouver 5 personnes, 7 personnes, 2 personnes, ça dépendait. Bien. Alors, monsieur Camara Kalonzo est sorti, si vous voulez, par vos bons soins. C'est vous qui avez pris l'initiative de le prendre et d'aller vers monsieur Moussa Thiebro Camara pour qu'il finisse le différend, c'est ça? Je le confirme. Voilà. Ça, c'était à quelle époque? Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne peux pas le préciser. On ne peut savoir ça qu'à partir de sa mutation à Fria. Parce que c'est le lendemain qu'il a été muté à Fria. Mais moi, je ne peux pas dire avec précision c'est telle date, c'est tel jour qu'il est sorti de prison. Ça, je ne peux pas. J'ai oublié. Voilà. Pour finir, il a été placé au violon de manière arbitraire et il est sorti sans procédure, c'est ça? Bon, il n'y avait pas, c'est pas une plainte qui était contre lui. Moi, j'estime que c'est pas une plainte. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un abus d'autorité. Il a été pris et mis là. Parfait. Et c'est contre ça que je me suis élevé. Je suis allé voir le colonel Thiebro, tenant compte de nos relations, nous trois. Parfait. Parce que nous sommes des camarades de promotion en Chine. Merci, monsieur le président. Le parquet a fini. Parti civil, question. Merci, monsieur le président. Quelques petites questions au colonel. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Alors, parlant de cette journée du 28 septembre, est-ce que, au moment des faits, des jeunes gens n'ont pas été transportés au PM3? À ce que je sache, non. Est-ce que vous étiez au PM3 toute la journée du 28 septembre? Est-ce que vous vous souvenez? J'y ai même passé la nuit. Alors, est-ce que vous pouvez ici confirmer ou infirmer que des manifestants n'ont pas été déposés au PM3? À ce que je sache, j'infirme. À ce que je sache. Vous infirmez? Oui. Est-ce que vous avez suivi le général Balde quand il est passé à la barre ici? Je n'ai pas suivi, mais il a été mon chef. Très bien. Tout ce qui était du PM3 et tout ce qui s'est passé à l'époque, je sais. C'était, le PM3 était sous son commandement à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que si je vous disais qu'il s'était insurgé pour avoir trouvé des manifestants au PM3, que diriez-vous? Bon, s'il l'a dit, c'est lui qui était le chef à l'époque. En tout cas, ce que je sache, je dis non, j'infirme. Est-ce que vous savez que quand un témoin réfute des déclarations vérifiables, il peut faire l'objet de poursuites? Connaissant toutes ces réalités, c'est avec ça que je suis venu, sachant toutes ces réalités. Très bien. Ce que je le dis sur la foi de mon serment et sur la morale. Je le maintiens. Très bien. Je pense que le tribunal appréciera, puisque le général Baldé, lors de son passage ici, a confirmé effectivement que des manifestants ont été transportés au PM3. À l'époque des faits, je passe sur cette question, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient poursuivies pour trafic de drogue, ou en tout cas trafic de drogue présumé à l'époque des faits? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient détenues là-bas pour ces motifs? À l'époque de quels faits? Le 28 septembre, oui. Bon, c'est possible, parce que quand moi je suis venu au PM3, les gens qui étaient poursuivis pour trafic de drogue y étaient. Très bien. Est-ce que vous savez que ces personnes ont également donné des informations claires et précises concernant des adolescents qui avaient été transportés au PM3? Est-ce que vous étiez au courant de ça? C'est possible, mais moi je ne l'ai pas su. Quand vous dites que vous étiez au PM3 toute la journée, vous étiez dans votre bureau ou vous étiez, en tout cas, pouvez être au courant de tout ce qui s'y passait? Ce que je sais, c'est ce que je dis. Ce que je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer.
Ce que je n'ai pas pris, je ne peux pas le dire. Je crois que la question est mal comprise. Étiez dans votre bureau ou bien vous étiez au courant de tout ce qui se passait? Bon, je n'étais pas forcément dans mon bureau toute la journée. Je sortais, je m'arrêtais dehors, je prenais de l'air. Et j'y retournais, de temps à autre. Est-ce que vous savez que les manifestants qui étaient au PM3, qui avaient été raflés au stade, parmi ces manifestants, il y avait des adolescents qui étaient blessés. Il a fallu l'intervention de la Croix-Rouge et celle du général Balde pour que ces personnes-là soient libérées. Vous étiez au courant de ça? Non. Très bien, le tribunal appréciera. Alors, concernant le protocole de rentrée et de sortie du PM3, est-ce que vous pouvez nous dire ici, quand quelqu'un est conduit au PM3, est-ce qu'il y avait des registres à cette fin? Il y a toujours un registre de garde. Très bien. Est-ce que Kalonjo, le colonel Kalonjo avait été arrêté à son entrée au PM3? Je ne peux pas le confirmer, parce que ce n'est pas moi qui l'ai reçu. Très bien. Mais de façon classique et professionnelle, toute personne qui franchit les murs du PM3 doit être enregistrée, oui ou non? C'est évident. Alors, vous ne pouvez pas le confirmer, n'est-ce pas? Est-ce qu'à sa sortie, cette procédure avait été respectée? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui l'avez fait sortir? Je l'ai fait sortir et je l'ai retourné. Le but d'aller échanger avec le colonel Tchéboro, qui a acquiescé pour sa sortie. Quand le colonel Tchéboro a acquiescé pour sa sortie, est-ce que vous avez satisfait à cette formalité? Mais moi, je l'ai retourné la nuit. Comment? Je l'ai retourné. Vous l'avez retourné où? Oui, là où il était. Après le camp Al-Fayaya, c'est moi qui suis allé rencontrer le colonel Tchéboro. On a échangé. Il ne voulait même pas accepter. J'ai mis la pression et la serré parce que c'est un ami. Quand il a serré, j'ai pris le colonel Kalonzo, je l'ai retourné. Et après, j'ai rendu compte de ce qui s'est passé. J'ai rendu compte au général Balde. Je parle ici, il entend, il sait. Je lui ai rendu compte. C'est lui qui a ramené Tchéboro et c'est lui qui a ramené le colonel Kalonzo. Il a extrait. Après cette négociation, moi c'est de cette négociation que je parle. Après avoir négocié sa libération, à sa sortie, est-ce que des formalités ont été accomplies? C'est la question que je pose. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai retourné là où je l'ai pris. Quand vous l'avez retourné là où vous l'avez pris, qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais pas. Alors donc, ce n'est pas vous qui l'avez fait libérer? En tout cas, c'est moi qui ai tranché, négocié entre lui et le colonel Tchéboro. Quand le colonel Tchéboro a accepté, quelle devait être la suite? Puisque si vous négociez, le colonel Tchéboro qui l'a conduit en prison a accepté qu'il soit libéré. Mais les formalités de sa libération... La suite, c'est entre le colonel Tchéboro et le commandement de la gendarmerie. Ah, très ça, bien. C'est pas... Il n'est pas venu. Il est venu certainement, comme je l'ai dit, il était sous le commandement du colonel Tchéboro. Étant fort de cette position, il a mis au PM3. S'il l'a sorti, ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Bon, monsieur le président, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Avec votre permission. Allez-y. Merci bien. Merci, monsieur le président. Merci aux honorables assesseurs. Mon colonel. Oui, maître Ouri. Je voudrais savoir si les éléments du PM3 étaient planifiés pour le maintien d'ordre le 28 septembre 2009. Il y a une mission qui est réservée aux éléments du PM3, c'est l'enquête, la police judiciaire. Le maintien d'ordre est exclusivement réservé aux unités d'intervention de la gendarmerie mobile. Donc vous êtes formel que le PM3 n'était pas sur le terrain pour le maintien d'ordre ce jour? Ce n'est même pas imaginable. D'accord. Vous avez dit que vous avez trouvé le colonel Kalonjo en prison. Est-ce que c'est un lapsus? Ou bien vous êtes formel? Soyez plus explicite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une prison dans les brigades de gendarmerie? C'est pourquoi j'ai dit si c'est un lapsus. Vous savez, le PM3, à l'époque, exerçait non seulement la police judiciaire, mais aussi servait de lieu de punition pour les gendarmes militaires.
Je crois que c'est à cette occasion ou c'est dans cette circonstance que Kalonzo s'est retrouvé au PM3. Alors, je veux savoir si Kalonzo était en garde à vue au même titre que les autres qui étaient placés en garde à vue, ou bien il y a une prison spéciale pour ceux qui doivent subir des sanctions disciplinaires. Kalonzo est un officier. Il y a un type de sanction qui est réservé pour les officiers. Le violon est fait pour les hommes de rang et peut-être les sous-officiers. Mais un officier, c'est l'arrêt. Kalonzo était aux arrêts. Ça veut dire qu'il n'était ni dans le violon, ni en garde à vue. Il n'était pas dans le violon, il était dans la grande salle, qui n'avait même pas de porte. Ça veut le dire violon, c'est là où on écroule les gens, on ferme, c'est fermé. Mais là où lui était, il n'était pas dans le violon, il était dans la grande salle. Est-ce qu'il était libre de ses mouvements? Très libre, dans l'enceinte du PM3. Il le sait, il est là. Est-ce que, à partir de là, la hiérarchie pouvait l'amener en mission? La hiérarchie étant libre, sa hiérarchie de tutelle l'a amené en prison. Je ne crois pas que cette même hiérarchie puisse l'extraire pour l'amener en prison à partir du PM3. Non, mais vous savez, je suis formel. Vous savez que sa hiérarchie était sur le terrain le 28 septembre, avec tous ses collègues, tous les éléments de l'antidrogue, ils étaient sur le terrain. Est-ce que cette hiérarchie qu'il a placée là-bas pour une sanction disciplinaire ne pouvait pas aussi venir le prendre pour l'amener sur le terrain? Ce n'était même pas possible. Ce n'était pas possible. S'il y était, sa hiérarchie ne pouvait pas venir l'extraire pour l'amener dans une mission. D'accord. À moins que la sanction soit levée. Et vous avez dit ici qu'il est venu là-bas sans dossier, sans plainte. Alors, et certainement, s'il y a eu plainte, c'est une plainte verbale. Rapporter ce qu'il a fait au commandement et le sanctionner. Sinon, la logique voulait, dans de telles circonstances, qui est une plainte contre lui, dans une gendarmerie ou dans un commissariat, c'était possible. Mais il a été pris, on dit, amenez-le au PM3. C'est tout, c'est comme ça. Alors, d'habitude, quand on est amené à sanctionner un gendarme militairement, disciplinairement, j'allais dire, je m'excuse, est-ce qu'il y a une décision qui est prise par l'autorité supérieure? Une décision formelle, écrite, signée et cachetée de l'autorité. En principe. Est-ce que vous aviez reçu cette décision? Moi, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas entendue. Vous n'avez pas entendu? Je ne l'ai pas entendue, je ne l'ai pas vue. Est-ce que vous aviez estimé sa durée sur les lieux? Je n'ai pas estimé, mais je sais quand même qu'il a mis du temps. Il a mis du temps? Je ne peux pas l'estimer. Il a mis du temps. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une violation des droits de l'homme quand même? Il faut voir comment vous pouvez l'interpréter. Moi, j'ai dit que j'ai estimé que c'était de l'abus d'autorité. C'est ce que moi j'ai dit. D'accord. S'il y a d'autres interprétations maintenant, ça, c'est à vous de voir. Alors, en principe, quelqu'un qui doit aller au violon, il va toujours avec un billet d'écrou, oui ou non? Au violon, oui. Avec un billet d'écrou. Oui, et réservé pour les hommes de rang. Et il faisait partie? Non. Ah d'accord, lui il est officier. Il était capitaine à l'époque. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une décision qui a levé ce billet d'écrou? Est-ce qu'il y en a eu même? Je vous ai dit que je n'ai ni su ni vu. Qui a ordonné sa libération? Hein? Qui a ordonné sa libération, puisque vous avez été nommé commandant du PM3 au mois d'octobre 2009. Oui. Voilà. Juste après les événements du 28 septembre. Qui a ordonné sa libération? Bon, je ne sais pas si c'est après les événements du 28 septembre, c'est vous qui le dites. Moi, je sais, le colonel Tchieboro a acquiescé à la sortie de Kalonzo
et au dire du colonel Kalonzo qu'il a été envoyé à Fria comme conseiller militaire auprès de la CBK ou quelque chose comme ça. À partir de là, on peut situer la date parce que c'est la veille qu'on s'est entretenu et le lendemain, il a bénéficié de cette promotion. Il aurait bénéficié de cette promotion. Est-ce que vous savez qui l'a fait libérer? C'est ce qu'il veut savoir. Je ne sais pas. D'accord. Le lendemain, moi, je n'y étais pas. Quand je suis venu... C'est bon. Voilà. D'accord. Alors, je veux savoir qui avait pris cette décision, le nommant comme conseiller militaire au niveau de l'usine Fria. C'est le haut commandement de la gendarmerie ou bien c'est par un décret? Je l'ai bien dit. Je l'ai appris du colonel Kalonzo que le colonel Tchéboro l'a envoyé comme conseiller militaire à Fria. Ah, le colonel Tchéboro qui l'a envoyé? Oui. À l'époque, il était ministre. Ça, c'est autre chose. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous en prie. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Vous avez déclaré que votre nomination comme commandant du PM3 est postérieure à la détention du colonel Ibrahim Kalonzo dans les locaux du PM3. Vous le confirmez? Je ne sais pas si on se comprend. Je vais être plus clair. J'ai dit qu'au moment où je venais commandant du PM3, oui, direction des investigations judiciaires à l'époque, oui, le colonel Kalonzo n'y était pas. D'accord. Il n'y était pas. D'accord. Maintenant, je veux savoir, vous avez dit que lorsque il avait été détenu, qu'en ce moment, vous étiez officier de police judiciaire, vous n'étiez pas commandant de PM3. Maintenant, dans les conditions normales, si quelqu'un est détenu dans les locaux, est-ce qu'il ne doit pas être déféré, si c'est une procédure normale? Je le réitère, ce n'est pas une plainte qui a amené le colonel Kalonzo en prison. Il n'y a eu aucune procédure. Ça a été une sanction ou une punition de son chef. On ne veut pas déférer un dossier dont on n'est pas saisi. D'accord. Donc, il était là-bas à titre disciplinaire. Bon, ça, je ne sais pas. Parce que, mon colonel, pourquoi je vous pose cette question? Oui. Parce que, selon le code de procédure pénale, lorsque une personne est dans les locaux de la police judiciaire, il sait qu'il est là-bas suite à une plainte et qu'il devait être déféré parce qu'on ne peut pas le garder plus de 72 heures si ce n'est pas le procureur qui ordonne la prolongation. La question. Je dis, dans les conditions normales, est-ce qu'il ne devait pas être déféré? Il a déjà répondu à cette question. Voilà, ok. Mon colonel. Maître. Le bureau des investigations judiciaires a été érigé en direction des investigations judiciaires. Est-ce que c'est lors du fait que ça a été érigé en direction que vous avez été nommé commandant du PM3? Ou bien c'est au moment où c'était toujours le bureau des investigations judiciaires que vous avez été nommé? J'ai été nommé au mois d'octobre 2009, quand nous étions en ville, c'était le bureau des investigations judiciaires. D'accord. Est-ce que vous savez que le procureur de la République a adressé un courrier au commandant du peloton numéro 3 de Matam pour lui demander
de bien vouloir prendre connaissance des archives concernant la détention du colonel Kalonzo Camara au moment dans la période du 28 septembre. Vous le savez? Non. Donc, et que le commandant du peloton à la personne du colonel Amine Fofana a répondu qu'à ce jour, il n'y a pas de registre qui prouve sa détention. Le dossier, les pièces sont dans la procédure. Et on a communiqué à la partie civile. Qu'est-ce que vous en dites? Rectificatif. Le colonel Amine n'a jamais été commandant du peloton mobile numéro 3. Il a été mon adjoint. Actuellement, il est le directeur central des investigations judiciaires. D'accord. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la réponse du courrier? Le courrier, je ne sais rien de ça. Ok, mon colonel. Oui. Lorsque le commandant Baouri était commandant du PM3, vous étiez là-bas en tant qu'officier de police judiciaire ou bien en tant que son adjoint, quand le PM3 était à Bourbini? Je le réitère. J'ai été muté au PM3 entre février et mars 2009 en tant qu'officier de police judiciaire. Simple élément, hein. Ce n'est qu'après octobre, dans le courant du mois d'octobre, que j'ai été nommé à la place du colonel Baouri. Mais avant ça, je servais juste comme un simple élément dans le service. Mon colonel, tout le monde sait que le maintien d'ordre, c'est la gendarmerie et la police. Parmi les... Selon le général du corps d'armée, Ibrahim Baldé, selon la commission d'enquête nationale indépendante, il y a eu 1270 gendarmes déployés concernant les brigades mobiles et les brigades d'escadron. Et vous, votre unité, ce jour-là, vous n'étiez pas requis pour le maintien d'ordre? Je n'appartenais pas à un service territorial, ni à une unité d'intervention. Mon service était rattaché au commandement de la gendarmerie nationale, qui était exclusivement réservé pour les enquêtes. Pas d'autre. Rien. D'accord. Donc vous maintenez, même si le colonel Ibrahim Kalonzo Camara a été détenu, vous ne pouvez pas savoir si c'est avant le 28 septembre ou bien c'est pendant le 28 septembre. Vous le confirmez? Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le préciser. Mais ce que je sais, je vous l'ai dit. Est-ce que vous savez qu'en tant que témoin, la question qui a son pesant d'or, c'était de savoir est-ce que au moment du 28 septembre, il était détenu. Et cette question n'a pas été répondue de façon précise. Vous le savez? Il y a près de 15 ans. Près de 15 ans. Et j'ai 55 ans. Vous devez savoir. Il y a près de 15 ans. La mémoire peut être défaillante. Je ne peux pas préciser pour dire que tel jour il était là, tel jour il est sorti. Mais je confirme mordicus qu'il était au PM3 avant que je ne sois nommé commandant de la direction des investigations au mois d'octobre. D'accord. Je le précise. Ok. Merci, je Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mon colonel,
Vous confirmez que c'est le colonel Kiburu qui a déposé le capitaine Kalonzo à votre service? Je ne le confirme pas. Mais c'est par ses soins que Kalonzo a été placé au PM3. D'accord. Dans le procès verbal d'audition, d'interrogatoire de colonel Kalonzo, il est dit ceci. Le 3 août 2009, j'ai été interpellé et incarcéré au PM3. C'est là où je suis resté jusqu'au 6 novembre 2009. Et vous, vous avez déclaré à cette barre avoir été nommé courant octobre 2009. Qu'en dites-vous par rapport à ces trois dates? Je maintiens ma déclaration. Quand je venais commandant du PM3, j'étais lieutenant. Je n'étais pas capitaine. J'ai été nommé capitaine au mois de novembre, 1er novembre 2009. Et le colonel Kalonzo n'était pas au PM3. Je le confirme. Il n'y était pas. Je suis allé rencontrer le colonel Tchiboro. C'est bon. Je n'étais pas commandant du PM3. Mais lui l'a déclaré dans son PV d'interrogatoire. Une autre question, s'il vous plaît. Ça, ça ne tient qu'à lui. Il a répondu, c'est bon. Ce que j'ai dit là, je le maintiens. D'accord. C'était pour quelle infraction vous l'aviez reçu là-bas, au PM3? Ce n'est pas moi qui l'ai reçu. Donc, il était là-bas pour quelle infraction? Non. C'est un problème d'argent qui se serait passé entre lui et le colonel Tchiboro. C'est personnel. Ah, d'accord. Je crois que s'il pouvait en tenir, s'il y tenait, il aurait porté plainte contre lui. Est-ce que le colonel Kiburu n'avait pas de local à son service où il pouvait le garder? Je ne sais pas. Du moment où je ne travaillais pas là-bas, je ne peux pas le confirmer. Pourquoi le choix est tombé sur votre unité alors? N'oubliez pas que vous aviez été son parrain. Oui, le choix est porté sur mon unité parce que Kalonzo est un militaire, c'est un gendarme. C'est ça, certainement à titre disciplinaire. Et qui a débordé. C'est ça. Donc, votre service était habilité à recevoir des hommes habillés dans le cadre des sanctions disciplinaires? Je l'ai déjà dit. D'accord. Je le confirme. Quelle est la durée légale de la sanction disciplinaire? Ça dépend. Ça dépend de la faute commise. Ça pouvait excéder 3 mois, 4 mois, 5 mois? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Un arrêt de 8 jours déjà, c'est beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 16 jours. Mais il y a des hiérarchies qui prennent ça. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Un capitaine, un colonel, un général, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes arrêts. Ça. Mais selon capitaine Kalonzo, lui, il avait eu à faire plus de 3 mois là-bas. Qu'en dites-vous? Je n'ai rien à dire sur ça. D'accord. Quand vous aviez fini les enquêtes, vous aviez déféré le dossier à quel parquet? De quelle enquête il s'agit? Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu de plainte. Il vient. Il a été placé là-bas parce que son chef l'a amené. C'est ça. Donc il n'avait pas été entendu sur procès verbal. Maître, procès verbal, c'est quand vous recevez une plainte. Ou quand vous-même vous constatez une infraction. Mais quelqu'un qui a été placé pour punition, pour sanction, ça ne revêt pas un caractère pénal. C'est son chef qui l'a amené. Il ne l'a pas amené pour qu'il soit déféré. Non. Donc, à l'époque des faits, le colonel Kiburu était un homme puissant. Bon, je ne sais pas s'il était puissant ou s'il ne l'était pas. Parce qu'il était un ministre de la République. Il avait la possibilité d'envoyer les gens en prison. Bon, c'est relatif. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Bien, je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs, mon colonel. Maître. Est-ce que vous êtes d'accord que les événements du 28 septembre, ce sont des événements graves? En tant que témoin. Très, très gravissime.
Très bien. Et dans votre déposition, qui a été très brève, j'ai noté trois phrases courtes. Vous avez dit que vous n'avez pas poussé votre curiosité concernant ce massacre-là. Pourquoi? Je n'ai pas dit que je n'ai pas poussé ma curiosité vers ce massacre. J'ai su qu'il y a eu massacre après. Un militaire, là où on vous place, vous vous maintenez là-bas. Quand vous vous déplacez, vous partez ailleurs, tout ce que vous obtiendrez, ça serait pour vous. Bien. Moi, je suis resté dans mon unité. Si on m'avait envoyé en mission, je serais parti. Je respecte votre point de vue. Je vous en prie. Je vais vous poser la question suivante. En tant que Guinéen, en tant qu'être humain, pourquoi, en tant qu'OPJ, pourquoi n'avez pas poussé vos analyses, comprendre ce qui s'est passé personnellement, vous? À quel titre? Non, je vous dis, en tant que Guinéen, oui, en tant qu'être humain, pourquoi vous n'êtes pas intéressé à ces événements douloureux-là? Bon, moi, je dis que ça a torturé, ça a perturbé tous les Guinéens. L'âme est chère, la vie est chère. Pour l'ôter, il faut être un dieu pour l'ôter. Ou au moins que ce soit la loi. Je le dis. Très bien. N'est-ce pas, vous étiez au PM3 après les événements du 28 septembre. Vous êtes resté combien là-bas en service? J'ai fait près de 11 ans directeur des investigations. De 2009 à 2020, j'y étais. De la ville à Matam. Très bien. Bien. Je vous dis ce qui est là. Au fond du cœur, moi, vous connaissez beaucoup de choses. Je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que pensez-vous, en tant que témoin, de sur quoi gendarme, OPJ, que ces crimes de masse-là peuvent être commis seulement par les 11 accusés là? Je n'ai pas de réponse à ça. Bien, je termine. Enfin, monsieur mon colonel, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre témoignage? À résumer, qu'est-ce que vous nous apportez? Reprenez, s'il vous plaît. Je dis enfin. C'est ma dernière question, avec la permission, bien sûr, du tribunal. Qu'est-ce qu'enfin le tribunal, parce que tout ça, ça intéresse le tribunal. Qu'est-ce qu'enfin le tribunal et nous allons retenir de votre témoignage en résumé concernant le 28 septembre, bien entendu. Je ne suis pas là pour le 28 septembre. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mon colonel. Oui, maître. En dehors même du cas du colonel Kalonjo, puisque tout obéit à un formalisme, est-ce que vous pouvez indiquer au tribunal le déroulement du processus lorsque vous recevez soit des soldats subalternes ou des officiers aux arrêts? Comment ça se déroule? Bon, ça, c'est exclusivement militaire. Si vous voulez que je déballe ça ici, j'aurais voulu que nous soyons dans le cadre de mon témoignage. Je vous remercie, vous n'en avez pas besoin de dérouler. C'est juste, je voudrais savoir, lorsque vous recevez ces personnes-là, est-ce qu'il y a au moins des traces, soit un registre ou autre, permettant de connaître le séjour, le temps de séjour de ces personnes dans vos locaux? Bon, ça, c'est réservé pour le commandement militaire. Autrement dit, vous ne pourrez pas, avec certitude, dire si le colonel Kalonzo était
dans vos locaux le 28 septembre 2009 ? Avec exactitude, vous ne pouvez pas le dire. Le 28 septembre ? Oui. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas le préciser. J'ai dit... C'est bon. Merci. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Bonjour, Monsieur Diawara, c'est bien cela? Bonjour, maître. Monsieur Diawara, dites-nous quelle était la situation des locaux, notamment vos bureaux et la grande salle. Vous dites? Mon bureau était situé. Quelle était la situation de votre bureau par rapport à la grande salle? Vous avez parlé d'une grande salle ici. Oui, la grande salle, c'est dans la cour à l'époque, au PM3. Et les violons y étaient. N'oubliez pas que cet endroit est un monument qui a servi la révolution, qui a servi tous les régimes qui se sont succédés. Nous n'étions même pas nés. Alors c'était fœtus, c'est ce qui a même prévalu à sa démolition et à la délocalisation du service pour Matam. Je veux parler oui, de la grande salle. C'est vous qui avez parlé de la grande salle ici. Oui. Vous avez dit que les officiers, lorsque vous les receviez pour des sanctions disciplinaires, ils n'étaient ni en garde à vue, ni dans les violons, mais plutôt dans la grande salle. Donc, moi, je voudrais que vous nous situiez la grande salle par rapport à votre bureau. Est-ce que vous pouvez le décrire ici? Oui, la grande salle par rapport au bureau du commandant. À vous, votre bureau, vous. Moi, vous mon aviez bureau... un bureau, non? Au PM3, vous aviez un bureau au PM3? J'ai eu le bureau, c'est quand je suis devenu commandant. Sinon, je n'avais pas de bureau. Comment vous travailliez? Vous étiez au PJ? Oui, mais il y avait des gens plus gradés. Il y a des bureaux qu'on utilisait pour la circonstance. Je vous l'ai dit, c'est à cause de la vétusté de cet établissement qu'on a délocalisé et qu'on a détruit le PM3. D'accord. Il n'y a même pas, il y a pas de bureau. D'accord. Lorsque vous veniez au travail, au PM3, où est-ce que vous vous placiez? Ou bien vous vous arrêtez toute la journée et puis vous rentrez? Oui. Où est-ce que vous vous placiez souvent? On irait entre le dehors et le couloir. Le bureau, il y avait des gens qui occupaient le bureau. Quand il y avait un travail, on vous invitait, on dit, bon, viens faire ça, fais ça. Tu finis, tu quittes. Alors, ce bureau-là était situé comment par rapport à la grande salle? Est-ce que à partir de ce bureau, vous voyez la grande salle? Ce n'était pas possible. Ce n'était que le commandant qui pouvait voir ça, la grande salle. Est-ce que vous, tous les jours, vous entriez dans la grande salle ou très souvent, peut-être une ou deux fois dans la semaine, vous entriez dans, il vous arrivait d'entrer dans la grande salle? Bien sûr, il arrivait même. Mais ça, je n'ai pu le faire que quand j'ai été nommé commandant du PM3. Est-ce que le colonel Calonzo, vous le voyez régulièrement avant le 28 septembre? Puisqu'il y était détenu avant le 28 septembre, c'est bien cela. En tout cas, c'est ce que lui l'a dit. Est-ce que avant le 28 septembre au PM3, puisque vous y étiez, vous étiez d'ailleurs PJ, est-ce que vous le voyez très souvent? C'est la raison pour laquelle je l'ai amené chez le colonel Thieboro. Je le voyais donc, oui, souvent. Donc oui, vous le voyez souvent. Je où le voyais souvent. Où est-ce que vous le voyez souvent? Dans la grande salle ou dehors? Puisqu'il était libre. Je le voyais dans la grande salle, je le voyais dans la cour. Est-ce qu'il vous arrivait de manger ensemble puisque vous étiez tous des officiers? Non, on ne mangeait pas ensemble.
de manger, c'est personnel, c'est pas de Sakaraba qui venait là-bas. Non, je sais que très souvent, les officiers, à l'heure de la pause, parfois nous, avocats, on les côtoie dans le cadre des procédures judiciaires. Et donc, on les voit parfois regroupés autour d'un plat. C'est pourquoi je pose la question. Oui, mais c'est qu'au PM3, on ne préparait pas là-bas. C'est lui qui avait fait un party manger dans les restaurants. Bon, pas au PM3. Vous, peut-être que vous fuyez la question. Je ne fuis pas la question. Pas. Sinon, elle est précise. Quelle est la question ? Je n'ai pas dit qu'on préparait. Est-ce qu'il vous arrivait de manger ensemble avec le colonel Calonzo au non. PM3 ? Non. Voilà. Mais vous le voyez régulièrement. Évidemment. Le 28 septembre, qu'est-ce que vous faisiez spécialement au PM3 ? Est-ce qu'il y avait une tâche particulière pour vous ce jour-là? Aucune tâche particulière. Aucune. J'étais au PM3 dans mon service. Est-ce que ce jour, il y avait des mouvements autour du PM3 ou dans l'enceinte du PM3? Aucun mouvement, à ma connaissance. Est-ce que ce jour, vous avez été appelé par le commandant du PM3 pour quoi que ce soit de particulier? Non, le commandant du PM3 était souvent en déplacement, à l'étranger surtout. Je parle du jour du 28 septembre. Bon, je ne l'ai pas vu. Le 28 septembre, est-ce que vous avez eu accès à la salle, à la grande salle? Bon, je ne peux pas le préciser, je ne me souviens pas. Est-ce que vous confirmez que le 28 septembre, au PM3, vous n'avez pas vu le colonel Calonzo que vous aviez l'habitude de voir? Ça, je ne peux pas le préciser. Non, vous l'avez dit. Je cherche juste la confirmation. Sinon, vous avez dit que vous ne l'avez pas vu ce jour, le 28 septembre. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Je ne vous ai pas dit que je ne l'ai pas vu. Il n'était pas dans ma tête. Je ne peux pas dire que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Vous ne pouvez pas non plus dire... D'accord. Vous ne pouvez pas non plus dire que ce jour, vous l'avez vu. C'est bien cela? J'ai dit que je ne peux pas dire qu'il y était, je ne peux pas dire qu'il n'y était pas. Très bien. Je ne peux pas. Pourtant, vous le voyez tous les jours. Alors, puisque ce n'est pas vous qui l'avez reçu, pourquoi c'est vous qui alliez le sortir et le présenter au colonel Tchegoro? Chez vous, c'est la hiérarchie, c'est l'ordre. Ce à quoi vous n'avez pas été mêlé dès le départ, vous ne vous y mêlez pas. Je crois que si j'avais fauté, j'aurais pris une sanction. Non, je pose ça, la question. Entre le chef et moi. Non, je pose la question. Non. Pourquoi particulièrement vous êtes intéressé à le sortir de là et à le présenter au colonel Tchegoro, au point de le plaider, pour le laisser sortir? Je l'ai fait parce qu'il avait mis trop de temps au PM3. Deux, le connaissant. C'est un aîné, je l'ai dit au départ. On a appartenu à la même promotion. Et le colonel Tchegoro étant un ami de plus de 30 ans et a une très bonne relation entre nous, j'ai apporté ma contribution pour qu'il convienne sur quelque chose. C'est tout qu'il est venu. Le fait pour lequel il est venu en prison. Bien. C'est personnel. Est-ce que au PM3... vous aviez appris que le colonel Calonzo était présent le 28 septembre? Est-ce non. que quelqu'un vous l'a dit? Non. Bien. Vous ne pouvez pas dire que vous l'aviez vu le 28 septembre. Vous ne pouvez pas nous dire non plus que vous avez entendu quelqu'un au sein du PM3 vous dire que oui, le capitaine à l'époque Calonzo était là, ou est là, ou est toujours là, non. N'est-ce pas? Non. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Diawara, Monsieur oui. Moussa Tchegoro Camara avait le pouvoir de mettre...
M. Kalonzo en prison. Vous l'avez dit ici, sans aucun acte, en toute illégalité. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de le sortir aussi en toute illégalité pour l'amener au stade? Ça, je ne sais pas. Colonel Thieburo est un chef militaire. Il peut mettre n'importe quel militaire sous son commandement qui enfreindrait le règlement du service dans l'armée. Même pas lui, même un autre chef, même moi, ceux qui sont sous mon commandement, s'ils enfreignent le règlement, je vais prendre des mesures contre eux. Oui, mais vous savez, des mesures contre lui, il s'agissait d'une question de sous, d'argent. Ce n'était pas visiblement l'argent du contribuable qui allait dans les caisses de l'État, ça allait dans les poches de M. Moussa Kigoro Camara. Donc, les actes qu'il avait posés, c'était à son propre profit. Vous dites donc que, dans ce cas, qu'il a agi en toute légalité s'il l'a mis là-bas. D'après le commentaire que vous venez de faire, M. Diawara, qu'est-ce qu'on peut conclure? Vu que vous dites qu'il avait le pouvoir de mettre quiconque là-bas s'il enfreignait au règlement, sans aucun acte, sans aucun papier. Moi, j'estime que c'est de l'illégalité. Vous, vous estimez que ça, c'est légal? Je veux qu'on se comprenne. Oui, je veux bien aussi. Vous partez à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qu'il est permis illégalement de prendre des mesures contre les gens. Un subordonné, quand vous prenez la mesure, elle doit être écrite. Je conviens avec vous. D'accord. Je ne dis pas le contraire. Ok, Monsieur Diawara. Monsieur Diawara, est-ce que vous, vous allez me dire ici que votre sentiment n'a pas d'importance devant ce tribunal, mais vous avez quand même la capacité, avec le recul, l'officier de police judiciaire et les années d'expérience que vous avez, de nous dire si vous pensez en toute objectivité que M. Moussa Kigoro Camara, sur le plan légal, avait le droit d'être au stade. En toute légalité, est-ce qu'il avait ce droit-là, ce jour-là? Ma conviction n'a pas d'importance. Je crois que le tribunal est là pour trancher. D'accord. Monsieur Diawara, est-ce que vos services avaient été utilisés parce que vous meniez des enquêtes dans le cadre de la Commission nationale d'enquête? Bon, moi personnellement, j'ai appartenu à la Commission nationale d'enquête sur les événements du 28 septembre. J'étais dans la commission. Est-ce que vos services avaient été mis à profit? C'est ce qu'elle veut savoir. Bon, c'est quelques éléments qui ont été pris. En l'occurrence, le colonel Monachir, je crois le colonel Morlaï, Monachir et moi, c'est nous qui avions appartenu à la commission. Est-ce que vous voulez parler du PM3? Oui, de lui-même, voilà. Monsieur, de lui-même, oui, oui, comme PM3. Il le confirme. Oui, il dit qu'il appartenait à la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale, là où le magistrat Sirman était, c'est lui qui était le président de la Commission. Je peux poursuivre, Monsieur le Président? Allez-y. D'accord, merci. Monsieur Diawara, en quoi a consisté les enquêtes que vous avez menées au sein de cette Commission nationale d'enquête? La Commission a été constituée, mais nous n'avons posé aucun acte. Même une simple audition, je ne l'ai pas fait. Je parle à la face du monde. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu un rapport. Rien. Vous aviez votre nom dans la commission. C'est quand même curieux que vous n'ayez posé aucun acte. Oui, mais si les gens étaient les gens sont désignés pour appartenir à des cellules ou à des trucs de travaux, si je ne suis pas dedans. Est-ce que vous avez bénéficié des primes? J'ai bénéficié de 3 millions de primes. 3 millions de primes pour 3 combien millions, de temps? Comme tous les policiers et gendarmes qui étaient dans la commission. Mais pourquoi quand on vous a posé la question ici de savoir que si vous savez quelque chose des événements, pourquoi vous n'avez pas au prime abord donné cette information? Non, je ne parle pas de ça parce que je n'ai rien posé comme acte. Je ne sais rien de ça. Vous n'avez même pas eu une copie du rapport? Rien. D'accord. J'étais lieutenant, je n'étais pas chef de service. Il y avait des hauts gradés devant moi, des colonels, des commandants, des commissaires divisionnaires. J'étais simple lieutenant. Oui, vous savez, moi j'étais à la fac à l'époque des faits, mais je m'intéressais quand même au sort de mes concitoyens. Monsieur si j'avais le Président, posé un acte, j'aurais parlé de ça ici. Je n'ai rien à cacher. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Merci. Je vous en prie. Merci. Monsieur Diawara. Maître. Alors,
votre intervention auprès du colonel Tchegoro pour réconcilier celui-ci et Kalozo était avant le 28 septembre ou après le 28 septembre? J'ai longuement parlé de ça. Je vous ai dit, c'est antérieur à ma nomination au PM3 au mois d'octobre comme commandant. La présence de Kalozo se situe entre le mois d'août et septembre 2009. Alors, si vous voulez savoir ça, c'est à partir de la nomination de Kalozo à Fria comme conseiller militaire. Si on se situe sur ça, on saura quand est-ce qu'il a quitté le PM3. Non, écoutez, je n'ai pas demandé... Qu'il veut savoir, je vous aide là. Votre intervention entre les deux pour les mettre ensemble, à quel moment ça a eu lieu? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ce que j'ai dit, monsieur le président. J'ai intervenu entre eux le lendemain qu'Alonso a été envoyé à Chosafria. Est-ce que vous pouvez situer ça dans le temps? Je ne peux pas. En tout cas, c'est antérieur à ma nomination. D'accord. En fait, je veux être un peu plus précis. La date de la libération de Kalozo ne m'intéresse pas. Sa date précise de détention ne m'intéresse pas. Mais vous, vous êtes intervenu pour que colonel Tchegoro puisse reconsidérer sa position vis-à-vis de Kalozo. Cette intervention, c'était avant le 28 septembre ou après le 28 septembre? Ça, je ne sais pas. Je l'ai bien dit, je ne sais pas. Mais, mon colonel, vous êtes un officier. Même une question, s'il vous plaît. D'accord. Je ne sais pas, je suis capable. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoutez, général Baldé était passé à la barre ici. Il avait déclaré que après les événements du 28 septembre, beaucoup de personnes ont été déférées au PM3. Nous, moi personnellement, je le crois. Vous, vous dites que personne n'avait été au PM3. Vous disposez quel élément matériel de preuve contraire à la déclaration du général Baldé? À ce que je sache, je l'ai bien dit. Il peut dire le contraire. À ce que je sache, même si le général Baldé était là, je n'allais pas changer ce que j'ai dit. C'est moi qui travaille là-bas. Il le sait. Même si le général était présent, je réitérerai ce que je viens de dire là. Peut-être il a plus d'éléments que moi, mais ce que je dis, je le maintiens. Je dis à ce que je sache. Peut-être il a envoyé les gens à 1h du matin, à 0h, je ne sais pas. Mais ce que je sais... Est-ce que vous avez des éléments de preuve pour ça? C'est voilà, ce qu'il veut savoir. Les éléments de preuve, moi-même, j'étais là. J'étais là. Une autre question. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Hein. Pas du tout. D'accord. Et mon colonel... Oui, maître. Vous avez votre nom sur le rapport d'enquête nationale. Oui. Vous n'avez posé aucun acte. Oui. Vous le dites. Oui. Alors, est-ce que ça signifie que la commission n'a pas travaillé ou c'est vous qui n'avez pas travaillé? Bon, certainement c'est l'un des deux. Moi, je ne sais pas, mais j'étais régulièrement présent. D'accord. J'étais ponctuel et assidu. L'un si je n'ai pas été commis à une tâche, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Si la commission n'a pas travaillé, je ne sais pas. Ou bien ce n'est pas moi qui n'ai pas travaillé. J'étais subordonné aux gens. Tu ne peux pas venir dans un service, on te commet à une tâche et que tu ne fasses pas quelque chose. Ce n'est pas vrai. D'accord. En tout cas, je n'ai posé aucun acte. Et on ne m'a assigné à aucun acte, aucune tâche. Très bien, nous sommes d'accord. Est-ce que si l'on vous disait que le fait de mettre les différents noms dans le rapport n'était qu'un simple habillage, sinon personne n'a travaillé, une seule personne s'est assise dans un bureau pour élaborer ce qu'il voulait élaborer. Est-ce que vous pouvez confirmer avec moi que c'est ce qui est de la réalité? Bon, moi, je ne sais pas. C'est votre point de vue. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez.
Mais moi, je sais, j'étais présent, c'est tout. Certainement, c'est ce qui était ma tâche, être présent chaque matin. D'accord. Si, à notre avis, si vous, nous considérons que vous êtes crédible, est-ce que vous, le rapport de cette commission nationale-là, vous le jugerez de crédible? Du moment où il y a vos noms, il y a le nom de 1000 personnes, mais personne d'entre eux n'a posé d'acte. Est-ce que on peut, vous, personnellement, vous pouvez qualifier de ce rapport un rapport crédible? C'est possible. Certainement, il y en a qui ont travaillé. On travaille par l'équipe. Si la tâche est donnée à une équipe qui travaille, dans une équipe, c'est possible que personne, tout le monde ne travaille pas de la même manière. Je ne peux donner aucun avis sur ça. Aucun. D'accord. Ma dernière question. Vous êtes très amis au colonel Tchegoro, très amis, de tel point que vous avez été son parrain de mariage. Je suis son père. Alors, d'accord, vous êtes son père, c'est très bien. Dites-moi, s'il vous plaît, après les événements du 28 septembre, au regard de votre amitié, qu'est-ce qu'il vous a dit de ces événements-là? Tchegoro, nos rapports se sont distendus après 2008. Ça, cela a eu égard certainement à l'énormité des tâches qu'il avait. On ne se voyait pas. Il est là, il le sait. Sinon, on était constamment ensemble. Nos familles sont liées. C'est un ami personnel. Mais depuis 2008, ce n'était pas tellement ça. Moi-même, personnellement, j'ai été affecté à l'antidrogue où je n'ai fait que quelques semaines et pour des raisons de service. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose après les événements du 28 septembre? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a longtemps. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Rien. On ne se frottait pas. Une autre question. D'accord. Et vous ne lui avez pas approché parce que c'est votre ami, vous avez appris tant de choses pour lui parler de ça? Vous ne lui avez pas approché? Je vous ai dit ici, les occupations, chacun a une tâche. Il avait beaucoup à faire, moi aussi j'avais beaucoup à faire. Et pratiquement, on ne se voyait pas. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur les membres du tribunal. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Maître. Après votre intervention auprès de colonel Moussa Tchegoro Camara, est-ce que vous vous êtes intéressé à la suite immédiate qu'il a donnée à votre demande? Non. Moi, ce qui m'a préoccupé, ce qui m'intéressait, c'est les différends qui étaient avec eux, entre eux. Quand ils sont entendus, vraiment, j'ai eu un ouf de soulagement. Donc, la suite, vous n'êtes plus intéressé? Non. D'accord. Puisque vous-même, vous venez de déclarer que M. Kalonzo, c'est votre ami, il était en situation de privation de liberté dans votre unité. Est-ce que vous lui rendiez visite tous les jours? Je reviens, je n'ai pas dit que Kalonzo est un ami, j'ai dit que c'est un aîné. C'est un ami à moi. D'accord. Kalonzo est un aîné. J'imagine que si vous êtes intervenu en sa faveur, oui, pour une situation de détournement d'argent, c'est parce qu'il y avait des liens très forts entre vous. Oui, c'est pas forcément ça. J'accourais à tout cas de violation de droit ou bien à toute difficulté entre les gens. J'intervenais, même si ce n'étaient pas des amis. Il y en a qui me sollicitaient. Il y a des cas pour lesquels moi-même, je contribuais personnellement. D'accord. Mais est-ce que vous lui rendiez visite quand il était au PM3, tous les jours? Bon, ce n'est pas rendre visite, mais on se voyait. Parce que j'étais là, il était là. C'était dans mon service. Il le sait. D'accord. Ça veut dire que tous les jours que vous veniez, tant qu'il était là, vous le voyiez, c'est ça, non? D'accord. Ce n'était pas obligatoire. Du moment que je savais qu'il y était, oui, ça m'a suffi. Et le temps qu'il a mis, c'est tous ces éléments-là qui m'ont poussé à intervenir en sa faveur pour que le colonel Tchegoro et il revienne sur sa posture, sa position. D'accord. Le jour de sa libération, vous étiez présent?
J'étais présent au moment où j'ai intercédé en sa faveur auprès de Tchiburu. Est-ce que vous étiez là le jour de sa libération? Je n'étais pas là-bas. Vous n'étiez pas présent le jour de sa libération? Non, non, non. Alors, combien de temps après vous avez compris qu'il a été libéré? Combien de temps après vous avez compris qu'il a été libéré? C'est le même jour. Et j'ai rendu compte au général Baldé que qui m'a appelé. Et je lui ai dit les démarches que j'ai eu à faire entre Tchiburu et Kalonzo. Le général dit tant mieux. Il dit comme c'est lui qui l'a amené. Il a estimé qu'il peut sortir, il n'y a pas de problème. Je lui ai rendu compte. Et le colonel Baouri, il devait être à l'étranger. Il n'était pas. D'accord. Puisque le même jour il a été libéré, le même jour vous avez été informé, ça veut dire qu'au minimum, au moins, vous retenez quand même le mois. C'était dans quel mois? Au moins le mois. Je ne me rappelle pas, mais je crois que ça tombait sur un week-end. Moi-même, je suis venu au service. Est-ce que vous vous souvenez du mois? Le mois, je ne me souviens pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dans la fourchette de mois d'août, son incarcération, et le mois de septembre. Ça se situe entre les deux. Mais précisément, non. Mais quand il a quitté la prison, il n'est plus revenu à l'antidrogue. Hein. Parce que le colonel Tchiburu a dit qu'il ne veut plus qu'il serve là-bas. Comment vous avez compris qu'il n'est plus revenu à l'antidrogue? Vous le suiviez ou comment? Comment vous avez pu le comprendre? Je ne le suivais pas, mais je connais le colonel Tchiburu. Je le connais. Quand il tient à quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est un ami. Ah. Et le colonel Kalonzo m'a dit qu'on l'a envoyé à FIA. Donc, quand il tient à quelque chose, il y tient jusqu'au bout. Il avait tenu à ce que les manifestants ne manifestent pas. C'est un homme de principe. Il n'aime pas au stade ce jour. C'est un homme de principe. Voilà. D'accord, je vous ai bien compris. Et voilà. Le 28 septembre, il avait dit au man, il avait tenu à ce que personne ne rentre à l'intérieur du stade. Je ne m'aventure pas dans ça, ne m'amène pas dans ça. J'ai dit que c'est un homme de principe. Et c'est normal. Merci, mon colonel. Je vous en prie. Je voulais savoir, au moment, le jour de la libération de Kalonzo, vous étiez déjà commandant du PM3? Est-ce que vous étiez déjà commandant du PM3? Je ne sais pas si vous me suivez, je vous ai dit que... Est-ce que vous étiez commandant? Non. Donc ça, c'est avant votre nomination, c'est ça, non? Comme commandant? Si. Très bien. Alors, votre prise de fonction, c'était le 1er novembre? Non, ce n'était pas le 1er novembre. C'était... J'ai la décision... Je l'ai quelque part, mais c'est au mois d'octobre. Mais très octobre. Bien. Vous avez pris fonction... Je suis passé capitaine le 1er novembre 2009. Vous avez pris fonction en octobre. Oui. Au moment où le commandant Kalonzo n'était plus en prison. Non, il n'était plus là-bas. Très bien. Lui, il a déclaré qu'à sa prise de... Plutôt, qu'il était en prison jusqu'au 6 novembre. Jusqu'en 6 novembre, il était en prison. Vous vous dites que vous avez pris fonction en octobre et qu'à votre prise de fonction, il n'était plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, il y a les documents. Moi, il y a les documents qui... Il y a un document, une décision qui m'a nommé au PM3 comme commandant. Je ferai parvenir cette décision. J'étais lieutenant. Très bien. Entendu que c'est lui qui vous a fait appel pour confirmer ses dires. Très bien. Alors, autre chose. Sa nomination comme conseiller militaire à l'usine, je crois, la société Frigia, hein, est-ce qu'il était en prison ou bien c'est après sa libération qu'il a été nommé? Moi, il me l'a dit après sa sortie. Donc? Après sa sortie, que le colonel l'a envoyé à Frigia comme conseiller militaire. Parce qu'il a dit qu'il ne pouvait plus le voir dans son service. Il ne peut plus travailler. D'accord. En ce moment-là, est-ce que vous étiez déjà commandant du PM3? Au moment où on le mutait à la société Frigia, est-ce qu'il était... Vous étiez déjà commandant? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit ma nomination est postérieure à sa libération. Oui, est-ce qu'il a... Par rapport à sa nomination, est-ce que vous étiez commandant du PM3? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'étais pas commandant du PM3. C'est le colonel Baouri qui était commandant. Ça veut dire que tout ça, c'est avant. D'accord. Et là,
Lui, il dit qu'il était en prison. Je lis l'un de ces passages, il dit ceci. C'est là où je suis resté jusqu'au 6 novembre 2009, date à laquelle je fus nommé conseiller militaire à la société Frigia. Donc, pour lui, il dit qu'il était en prison quand il a été nommé. Et vous, vous êtes venu, il vous a fait appel pour que vous veniez confirmer ses dires. Et tout ce que nous voyons là, c'est le contraire. Très bien. Après sa sortie de prison, vous avez eu ces nouvelles? Bon, après sa sortie de prison, on s'est vu quelques années après. C'est après la transition qu'on s'est vu. Parce que étant tous, relevant tous du haut commandement, on se rencontrait au bloc. On a fraternisé. En plus, il a été sous mon commandement quand j'étais inspecteur technique de la gendarmerie. Lui, il était l'inspecteur régional. Il était un de mes éléments, un de mes collaborateurs. J'étais son chef de service. D'accord. Selon vous, le commandant Kalonzo, qui était déjà libre, pourquoi il va déclarer qu'il était en prison le 28 septembre au PM3 et que vous, vous êtes témoin? C'est ce qu'il a déclaré, que vous, vous êtes témoin de ce qu'il était en prison jusqu'au 6 novembre. Pourquoi il va tenir de telles déclarations, tirer une telle couverture sur lui? Pourquoi il va le faire? Comme je l'ai dit, j'ai dit que c'est relatif. Je l'ai dit que c'est relatif. S'il y était... Je confirme quand même qu'il était au PM3. Oui, on a déjà quitté là-bas. Le 28 septembre. Mon colonel. Je ne sais pas. Mon colonel. Oui. À travers notre échange, c'est déjà démontré que les déclarations du commandant Kalonzo, selon lesquelles il est resté en prison jusqu'au 6 novembre, ça, c'est déjà démontré, puisque vous, vous avez dit que vous étiez... tout cela a été... Tout s'est passé... Avant que vous vous soyez nommé, on est déjà d'accord que ça, ce n'est pas ça. Ouais. Vous avez déjà été très clair dans vos éléments de réponse. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il ne veut pas du tout assumer qu'il était libre au moment de la manifestation s'il n'avait rien à se reprocher? Ça, il est mieux placé pour répondre. Très bien, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous en prie. Monsieur le Président, les partis civils ont terminé pour le moment. La défense. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Voilà. Et je prends la parole ce matin tout en s'adressant à vous, mais à travers quelques questions de précision. Dans le temps, pour le temps, avec le temps, sans contre-temps. On est d'accord? Allez-y. Bien. Est-ce que avant le mois de septembre, vous étiez au PM3? Je suis arrivé au PM3 en provenance de l'antidrogue, où j'ai servi quelques semaines, 3-4 semaines. Ça devait être courant mars 2009 jusqu'en 2020, février, 3 février 2020, j'y étais. Très bien. Très bien, super. Alors, pendant le mois de septembre 2009, est-ce que vous étiez constant au PM3? Le 28 septembre. Il dit pendant le mois de septembre 2009. Mois de septembre. Oui. Est-ce que vous étiez constant régulièrement là au PM3?
C'est-à-dire, j'ai parlé le 1er jusqu'au 30. J'étais constamment au PM3. Constamment. Super bien. Une fois encore. Donc, ici, devant ce tribunal, à mon avis, vous pouvez donner cette réponse comme quoi Ibrahim Camara Di Kalonzo était effectivement détenu au PM3. Oui ou non? Est-ce que vous étiez là du premier jusqu'au 30? Je reviens toujours sur la même chose. Oui. C'est la mémoire humaine. Non. Je confirme, je le répète, que Kalonzo était au PM3, colonel Kalonzo. Mais là où vous voulez m'amener, je ne peux pas aller là-bas. La date, le jour qu'il est rentré, le jour qu'il est sorti, je ne connais pas, je ne me rappelle pas. Vous savez pourquoi? Mais je sais qu'il a séjourné au PM3. D'accord. Vous savez pourquoi vous avez cité devant ce tribunal-là? Vous le savez pourquoi? Moi, je ne sais pas. Voilà. C'est pour dire au tribunal, est-ce que Kalonzo était détenu au PM3 le jour du 28 septembre 2009? C'était tout. Vous répondez, ça, c'est fini. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Et si pourtant, c'est ce que vous voulez, je ne me rappelle pas. Vous devrez répondre à cette question. Une autre question. Et c'est une obligation. Si jamais... Tous les témoins qui sont là, qui vont venir ici, sont tenus de répondre des questions. Et c'est une obligation. S'il vous plaît, il a répondu. Hein. Je continue. Il a bien répondu à la question. Je continue, mon colonel. Alors, donc, mon colonel, je vais bientôt finir. Alors, après le mois de septembre, vous y étiez également au PM3. Jusqu'en 2020. Vous étiez au PM3. Jusqu'en 2020, février. Donc, à partir de là, vous devrez nous aider, en principe, si colonel Kalonzo était au PM3, en principe. À moins que vous ne vouliez ce n'est pas une question, s'il vous plaît. À mentir. Monsieur Gawara, je ne mentirai pas. S'il vous plaît. Attendez la question. Hein. Allez-y avec la question, maître. Je suis d'accord. Pour terminer, le 1er au 30, vous étiez au PM3, colonel Kalonzo était au PM3. Mais est-ce que Kalonzo, puisqu'il n'était pas en détention, il était dans, je ne sais pas, comme vous avez dit, est-ce qu'il a eu l'occasion de sortir en dehors du PM3? Du 1er au 30. Est-ce qu'il est sorti dans la cour? Je ne peux pas le savoir. Je n'étais pas le surveillant du PM3. Mais vous étiez officier de police judiciaire. Quand je suis de service, je passais la nuit là-bas. Quand je n'étais pas de service, je travaillais jusqu'à 16 heures, je rentrais chez moi. Alors, est-ce que vous savez que général Baldé, devant ce tribunal, a dit que colonel Kalonzo était en détention au PM3 le 28 septembre 2009? Il ne l'a jamais dit. Tant mieux, s'il l'a dit, c'est bien. C'est bon, s'il vous plaît. Vous allez consulter le premier type criminel, monsieur le président. S'il vous plaît, ne prêtez pas. S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. Ne prêtez pas des termes aux gens alors qu'ils n'ont pas dit ça, s'il vous plaît. D'accord, monsieur le président, j'évolue. Est-ce que vous savez que
colonel Thibault a confirmé devant ce tribunal que Kalonzo était en détention le 20 septembre 2009. Dieu merci. S'il l'a dit, c'est lui qui l'a amené au PM3. Ça édifie mieux la cour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Kalonzo lui-même a dit devant ce tribunal qu'il était au PM3 le 20 septembre 2009? Dieu merci. C'est bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur, à votre honneur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur les membres du tribunal. Mon colonel Tamba Gabriel Diawara, on va replacer les choses dans leur contexte. Bien. Au-delà de la procédure disciplinaire, vous avez parlé de procédure disciplinaire tout à l'heure, la procédure d'arrêt. Est-ce que vous savez que le colonel Kalonzo était en détachement au niveau des services spéciaux? Est-ce que vous le saviez? Je le sais, parce qu'on était ensemble. Voilà. Vous savez qu'il était en détachement au niveau des services spéciaux? On a été affectés ensemble sur la même décision. Voilà, merci bien. Est-ce que vous savez que le PM3 était son service d'origine? Je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas. Parce que moi, je l'ai connu ailleurs. Vous étiez venu de quel service pour aller aux services spéciaux? Moi, c'est du haut commandement que je suis allé aux services spéciaux. Et nous avons travaillé ensemble. Il était au deuxième bureau, il le sait. Au bureau, au deuxième bureau? Oui. Au bureau des investigations judiciaires? Non. Bureau des renseignements. Bureau des renseignements. Oui. Vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouvait, lui, en ce moment, avant qu'il ne vienne aux services spéciaux? Non, je ne sais pas. Donc, il était en détachement, il était venu du PM3. C'était son service d'origine. Est-ce que dans ces conditions, vous trouvez normal qu'on mette un officier en détachement à la disposition de son service d'origine lorsque des faits lui sont reprochés par son service d'accueil? Est-ce que vous trouvez normal qu'on le mette à la disposition de son service d'origine? Bon, je ne sais pas si c'était son service d'origine parce que je ne l'ai pas enregistré comme dans le personnel, l'effectif du PM3, son nom ne figurait pas. J'ai commandé ce service-là. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui est en détachement, un officier en détachement, qu'on le mette à la disposition de son service d'origine en cas de manquement, par exemple? Mais quand vous dites détachement, ouais. Le détachement, c'est une ponction qu'on fait ou un prélèvement. On prend les gens, on les envoie dans un autre service, mais ils ne sont pas affectés. C'est-à-dire qu'ils peuvent à tout moment revenir à leur position initiale. Effectivement. Mais ce n'était pas le cas. Sa dotation était où? La dotation de Kalonzo? Non, maître, ce n'était pas le cas. J'ai figuré sur la même décision que le colonel Kalonzo pour aller à l'antidrogue. J'étais sur la décision. Ils le savent. Mais il était en détachement au niveau des services spéciaux. C'est une décision prise qui nous a affectés à l'antidrogue. C'est une affectation, ce n'est pas un détachement. Ça a été une affectation. C'est vous qui décision signée par le général Baldé. C'est vous qui me la prenez alors. Il le savent. Et le colonel n'étant pas le commandant, le colonel Thiebro n'étant pas le commandant du PM3, et au moment des faits, est-ce qu'il était possible pour lui de garder, parce qu'on dit que le colonel Kalonzo a été séquestré, est-ce qu'il était possible pour le colonel Thiebro de séquestrer le colonel Kalonzo au niveau du PM3 ou de le garder à vue à ce niveau? Est-ce qu'il était possible? C'était possible si ça s'inscrivait dans le cadre du règlement militaire. C'était possible. Le commandant, le colonel Thiebro n'étant pas le commandant du PM3, il est au camp Alpha Air. Comment il peut le garder à vue au niveau du PM3? Est-ce que c'est possible? Vous trouvez non, ça c'est pas lui qui le gardait. Si, comment dirais-je, la violation a été relevée, oui. C'était d'ordonner sa mise aux arrêts.
c'était d'ordonner sa mise aux arrêts pour les faits énumérés dans le statut et dans le règlement du service dans l'armée. C'était ça. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Autrement dit, et si le colonel Tchebro voulait le séquestrer ou le garder à vue, est-ce que le camp Al-Fayyar n'était pas mieux indiqué? Bon, le PM3 aussi était mieux indiqué. Mais le colonel travaille au camp Al-Fayyar, hein? Non, ses bureaux y étaient. Oui, ses bureaux y étaient. Mais il n'était pas du camp Al-Fayyar. Oui, il n'était pas du camp Al-Fayyar. C'était un ministère. Effectivement. Ah, ça pouvait être partout. Ça pouvait être en ville ici. Finalement, on les a délocalisés. Comment dire, ils ont quitté, ils sont venus en ville, à Tombo. En ce moment, c'était au camp Al-Fayyar. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais le fait de les envoyer au PM3, ce n'était pas un problème. C'est normal. C'est normal. Vous avez vous-même dit ici tout à l'heure, est-ce que vous le confirmez, que vous avez rendu compte au général Baldé? Après, oui. Je lui ai rendu compte. C'est lui qui a demandé. Il a dit que je suis allé personnellement, j'ai pris Kalonzo. On est parti voir le colonel Tchebro. Pourquoi vous avez rendu compte au général Baldé? Pourquoi? Pour quelle raison? Le général Baldé, c'est mon chef. Voilà. Et c'est là où se trouvait Kalonzo. Oui, c'est mon chef, je lui ai rendu compte. Comment vous expliquez ça? C'est là où se trouvait Kalonzo. Pourquoi vous lui fournissez des explications? Pourquoi vous rendez compte? Parce que... Vous ne le saviez pas parce que vous n'êtes pas militaire. Je veux le savoir maintenant. L'armée, c'est pas une profession libérale. Il y a des astreintes et des contraintes. Quand vous êtes subordonné, vous vous placez dans votre position et le compte-rendu libère le subordonné. Quand vous ne rendez pas compte s'il y a des problèmes, les conséquences vous en prenez. Moi, j'ai fait mon travail et ça a été apprécié par mes chefs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour, maître. Je ne serai pas long. Je voudrais intervenir sur cet aspect qui me semble très intéressant par rapport au colonel Tchebro. Vous confirmez quand même qu'à l'époque, il n'était pas le commandant d'unité, n'est-ce pas? De PM3. Tchebro n'était pas le commandant du PM3, oui ou non? Oui, il n'était pas commandant du PM3. Bien. Vous confirmez également avoir reçu, je parle du service, colonel Kalonzo, et en tant qu'OPJ au moment des faits, vous avez usé de vos liens pour régler cette affaire entre lui et colonel Tchebro. Vous le confirmez également? Le service a reçu le colonel Kalonzo, pas moi. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Par rapport au règlement à l'amiable, c'est vous qui avez... Je confirme ce que vous dites. Bien. Et vous confirmez également, vous venez de le dire tout à l'heure, en répondant à l'une des questions de mon talentueux confrère, que ce n'est pas colonel Tchebro qui le gardait à vue. Vous le confirmez également? Ce n'est pas colonel Tchebro qui le gardait à vue. Je veux que vous soyez explicite sur ce point-là. En répondant à l'une des questions de mon confrère, vous avez dit ce n'est pas colonel Tchebro qui le gardait. Monsieur Kalonzo a vu. Bon. Autrement, vous êtes d'accord avec moi que colonel Kalonzo était gardé à vue au PM3, n'est-ce pas? Bon, gardé à vue là, moi je ne... Je ne vais pas tellement pour ça. D'accord. Ce terme judiciaire. Oui, je sais. Mais on n'est pas dans un cadre judiciaire. Militairement. Bien. Et militairement, Monsieur Kalonzo était retenu, si le terme est bon, au service de PM3, oui ou non? C'est son chef qui l'a amené. Son chef qui l'a amené? Oui. Bien. Et qui l'a reçu alors? Qui l'a reçu? C'est la gendarmerie qui l'a reçu. Bien. Vous confirmez également que colonel Tchebro n'était pas le commandant. Après avoir réglé cette affaire à l'amiable, vous avez rendu compte au haut commandant, général Baldé. Là, vous le confirmez? Je le confirme. Bien. Et
Je voudrais dire, si vous êtes d'accord avec moi, que vous avez rendu compte au général Baldé parce que c'est lui qui est votre chef hiérarchique, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes encore d'accord avec moi que vous avez rendu compte au général Baldé parce que ce dernier savait que colonel Kalonzo était retenu au PM3? Vous êtes d'accord avec moi aussi? Oh, il le savait. Bien. Il savait. Bien. Alors, s'il savait que colonel Kalonzo était retenu au service spécial, au service de PM3, je voudrais, moi, penser, vous pouvez être d'accord avec moi, qu'il savait également les motifs pour lesquels M. Kalonzo était retenu. C'est évident. C'est évident. Voilà. C'est évident. Bien. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que si des questions de droits de l'homme étaient posées, s'il y avait, moi je sais que militairement, il n'y en a pas, il n'y a pas d'infraction, militairement. Mais si ça se posait, selon vous, ni vous en tant qu'OPJ, qui on pouvait demander? Est-ce que celui qui a reçu ou bien celui qui a posé son problème au service entre les deux? Entre celui qui a reçu la personne et la personne qui a posé le problème, entre les deux, qui doit être demandé si le problème posait? Heureusement que le problème n'a pas été posé et nous, quand on l'a su, on s'est élevé contre cette mesure qui portait un préjudice à Kalonzo. Et heureusement, le colonel Tchibura a compris et ça a été corrigé. Bien. Nous ne sommes pas des militaires acceptés que nous utilisons des termes judiciaires. Est-ce que vous voulez nous dire les salaires des agents des services spéciaux, les salaires étaient logés au recommandement ou aux services spéciaux? Les services spéciaux ont été, si vous voulez, le département a été un département de circonstances. Oui. Département de circonstances, eu égard à ce qui prévalait. La lutte contre le grand banditisme et le trafic de drogue. Sinon, quand vous prenez ce qu'il pose comme acte, comme travail, c'est les attributions des services courants, la gendarmerie et de la police, bien, tout chapeauté par la justice, mais c'était pour la circonstance. Bien. Alors, quand il dit détachement, je peux légèrement convenir avec lui, les salaires était à la gendarmerie. C'est le personnel de la gendarmerie et de la police qui sont retrouvés à l'antidrogue. Très bien. Donc, vous convenez avec nous que les agents qui étaient au service spécial, c'était des agents en détachement, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec nous? Bon, je vous dis que c'était la transition. C'était une circonstance, un contexte, un département a été créé. Et pour meubler ce département, les officiers de police judiciaire ont été affectés dans ce service, dans bien ce département. Monsieur Diawara, la circonstance. Vous êtes notre témoin. C'est la défense qui vous a cité. Voilà. Puisque les agents qui y étaient en détachement, la preuve est que leur salaire était au niveau du haut commandement. Et lorsque hiérarchiquement, qui était le chef hiérarchique technique de Kalonzo? Le chef supérieur technique. Bon, le chef de Kalonzo, c'était à l'époque, c'était le colonel Tchibura. Bien. Directement. Hein? Bien. Et administrativement, qui était le chef hiérarchique administratif? Vous entrez dans les détails. Ok. Vous entrez dans les détails qui...
Je voudrais passer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lui, sous le commandement de qui l'intéressé est placé, c'est lui son chef direct. Ok. D'accord. Et à l'époque, après le colonel Tchegboro, c'était le colonel Kalonzo. Bien. Voilà. Je voudrais terminer pour dire que vous confirmez avec nous que le chef de la chef technique, le colonel Kalonzo, c'était Tchegboro, par voie de détachement. Et puisqu'il avait des problèmes à l'époque, comme vous-même vous l'avez dit, c'était normal militairement que le chef de la chef technique met l'agent à la disposition de son service d'origine pour éventuellement une correction. Vous êtes d'accord avec nous? C'est votre interprétation. Moi, je ne le prends pas comme ça. Je dis partiellement ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Voilà. Je ne suis pas d'accord. C'est bon. Je ne suis pas d'accord. Bien. Et quand même, vous avez dit que ce colonel Moussa Tchegboro, verbalement, vous l'avez dit ici, certainement, aurait porté plainte verbalement, mais pas écrit. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? À cette barre, vous l'avez dit. Que ça c'est une hypothèse. Une hypothèse, ok? Mm. Bien. C'est votre service, même si vous n'étiez pas à l'époque le commandant, mais c'est votre service qui l'a reçu, qui l'a interrogé, oui ou non? Bon, certainement il a été interrogé. Je ne parlerai pas de PV. Je ne sais pas s'il a été interrogé. Je ne parlerai pas de procès verbal. Je ne parlerai pas de PV. Je suis dans le circuit militaire. Moi, je ne l'ai pas interrogé. Il m'a expliqué la situation et j'ai contribué à ce qu'il recouvre sa liberté. Colonel Diawara, oui. Vous ne l'avez pas interrogé. Comment vous avez su ses difficultés avec son chef technique? Je ne suis pas dans le cadre de PV. Je suis dans le circuit militaire maintenant. Vous avez su ses problèmes avec son chef technique parce que vous l'avez quand même interrogé. Vous l'avez demandé. Ces relations sont interpersonnelles. Interpersonnelles? Oui, c'est entre nous trois. Nous sommes des amis. S'il m'a expliqué son problème, quand vous dites interrogé, c'est comme si on soumettait quelqu'un à une audition. Non. Je l'ai vu en prison, il m'a expliqué son problème. Il m'a confié sa préoccupation. C'est ce que j'ai porté vers Tchegboro. Et je suis allé, j'ai insisté, il est là, il sait. Oui. Je l'ai fait parce que c'est un ami, c'est personnel. Oui, mon colonel, nous sommes devant le tribunal quand même. Les demandes que vous avez faites n'ont pas été faites en dehors du service. N'ont pas été faites à la maison. Et vous êtes OPJ. C'est en cette qualité que vous l'avez demandé. Et en tenant compte de vos liens, vous avez usé vos relations pour régler à l'amiable. C'est ça, non? Non, je ne comprends pas. Non, je vous suis. Non, je voudrais que vous compreniez vos relations personnelles. Oui. Qui ont été mises à contribution pour régler cette affaire à l'amiable. Affirmatif. En ce moment-là, M. Kalonzo, quand même, n'était pas libre de lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Bien. Vous êtes aussi d'accord avec moi que vous vous êtes intéressé au règlement à l'amiable. Outre les relations personnelles, vous êtes OPG de ce service, oui ou non? Non. Ne mélangez pas. Bien. Je voudrais... Le dossier-là n'a pas été traité pénalement, judiciairement. Je vais commencer par vous dire, nous sommes des profanes. Il y a des règlements militaires internes que nous ignorons. Mais au cas où quelqu'un pensait que M. Kalonzo a été séquestré ou il a été retenu contre son consentement, selon vous, pas vous, vous étiez au PJ, entre celui qui l'a reçu, la personne
qu'il a reçu dans le cadre du service est la personne qui a posé son problème. Je ne peux pas le gérer, je mets à la disposition du service d'origine. Si une telle question se posait, selon vous, qui on peut demander? Moi, je suis citoyen, même pas ça. Je porte à votre connaissance ma préoccupation. Et je mets l'agent à votre disposition. Vous saviez que le colonel Thieboro appartient à la première promotion des officiers de police judiciaire de la gendarmerie, à laquelle moi-même j'appartiens, en 98. Il connaît la démarche. Si tel était le cas, ce qui s'est passé entre eux, problème d'argent, il aurait porté plainte. S'il avait porté aussi le problème à la connaissance du commandement, pour que le commandement prenne des mesures, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais pour qu'il sorte, il a fallu son aval. Je suis d'accord avec vous. Lorsque vous avez rendu compte au général Badé, quelle a-t-il la réponse de ce dernier? Bon, le compte rendu s'était déjà consommé. C'est le général même qui s'est intéressé au dossier. Le lendemain, quand moi je suis venu, le général a demandé le colonel Baouri. Mais ce dernier n'y était pas. Il a demandé la position du colonel Kalonzo. C'est moi qui lui ai dit. Il dit, mon général, je venais vers vous. Moi-même, je partais vers lui. Il dit, je venais vers vous pour vous rendre compte que le colonel Kalonzo n'est pas en prison. Hier soir, c'est moi qui l'ai amené chez le colonel Thieboro pour terminer les différends entre eux. Le général dit, tant mieux. C'est lui qui l'a amené. S'il a décidé ainsi, il dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Je parle là où il est, il entend, il suit. Je vous remercie, mon colonel. Merci, monsieur le président. Je vous en prie. Colonel Tamba Gabriel Diawara. Maître. Officier émérite. Je ne le fais pas pour vous flatter. Parce que nous avons en face un témoin très lourd. De l'autre côté, on vous a posé la question de... On s'est dit qu'on n'est pas satisfait du fait que vous soyez là, que vous n'avez pas fourni quelque chose comme témoignage. Est-ce que le fait que le colonel Kalonzo soit dans les locaux de PM3, n'est-ce pas une vérité? Vous dites? Kalonzo n'était pas dans les locaux de PM3. Si. Il était là-bas, non? Oui. Vous l'avez vu là-bas, non? Si. Est-ce qu'il était dans une procédure? Il n'était dans aucune procédure. Quand il n'est pas dans une procédure, ni plainte, ni convocation, le temps qu'il a passé là, est-ce que c'était régulier? Ce n'était pas régulier. Tout agent qui retient dans ces conditions, tout citoyen, est-ce que cet agent n'est pas poursuivable? Possible. Est-ce qu'il n'est pas poursuivable? Mais si. Il doit être poursuivi. Oui. Si Carlos sort de là, a-t-on besoin d'une procédure par rapport à ça? Non. A-t-on besoin d'un papier par rapport à ça? Non. A-t-on besoin d'un registre par rapport à ça? Non. Si Kalonzo sort, c'est une faute? Non. Lorsque vous intervenez pour sa sortie, n'est-ce pas au-delà du fait que vos relations sociales, personnelles soient là, n'est-ce pas une obligation de votre part de faire en sorte que Kalonzo sorte de là? Est-ce que vous avez une preuve que Kalonzo, en dehors du PM3 et d'autres intervalles, que Kalonzo est allé ailleurs que PM3 et Fria? Je n'en ai pas. Est-ce que vous avez une ombre de Kalonzo dans cette histoire du 28 septembre? En tout cas, je ne sais rien de ça. Hein. Selon ce que vous savez. Bien. C'est à ce titre que vous êtes là, monsieur. Je ne sais rien. Merci bien. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon colonel. Maître. Voilà. Et
Est-ce que vous saviez que la commission d'enquête nationale avait eu à mettre en place des sous-commissions? Vous en étiez informé? Non, maître. Bon, pour votre information, vous me permettrez de vous donner lecture d'une partie, d'un passage du rapport déposé par cette commission. Après avoir adopté son règlement intérieur, la commission a mis en place 4 commissions de travail en rapport avec les événements. 1. Une commission chargée d'enquêter sur les préparatifs des événements du 28 septembre et des atteintes à la propriété. 2. Une sous-commission chargée d'enquêter sur les homicides et des corps et blessures volontaires enregistrées le 28 septembre et les jours suivants. 3. Une sous-commission chargée d'enquêter sur les agressions sexuelles, y compris le viol. 4. Une sous-commission chargée de la recherche de l'identification des disparus. Vous n'avez jamais appartenu à une sous-commission? Possible, mais on n'a jamais posé d'acte. Il y a des chefs, des gens, il y avait des, comme je le dis, des équipes ou des sous-commissions. Il y a des gens qui étaient chargés de travailler. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été invité sur un dossier ou partir sur un sentier ou quelque chose comme ça, rien. Est-ce que vous saviez que chaque sous-commission avait un président et un rapporteur? Vous ne le savez pas? Non, non, c'est pas. Nous, on venait juste nous laisser dans la grande salle au palais du peuple et le temps passait. Il n'y avait pas d'équipe de travail constituée? Même s'il y en avait, moi personnellement, je ne me suis pas tellement intéressé à ça. Et je n'ai pas été convié non plus à un travail. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la méthodologie du travail de cette commission? C'est ce que je dis. C'était présidé par un magistrat, en l'occurrence, M. Sirma, a été procureur. Il y avait beaucoup de magistrats aussi dedans, des officiers de police judiciaire, la police et de la gendarmerie. Mais nous qui étions à la raclette ou qui prenions la queue, on était là, c'était juste pour certainement venir ameubler les commissions. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais été invité. Si j'étais invité, j'allais travailler, c'est sûr. Là, ça me préoccupe personnellement, peut-être ça préoccupe le tribunal, parce que c'est sur la base de ces rapports et sur la base du rapport de cette commission et celui de la commission d'enquête internationale que un pool de juges d'instruction avait été mis en place. Donc, je vais continuer. Mais contrairement à ce que vous dites, dans ces rapports, il est dit ceci. Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission nationale d'enquête indépendante a adopté la méthodologie suivante. Recherche documentaire, audition, audience publique, visite de terrain, consultation. Vous, personnellement, avez-vous participé à des recherches documentaires? Maître, rien. Sinon, je ne l'aurais pas caché. Je n'ai pas de secret pour ça. Ok, je vous poserai toujours des questions. Ouais. Avez-vous participé à des auditions? Absolument rien. Avez-vous participé à des audiences publiques qui étaient couvertes par des médias privés? Non. Et publics? Non. Comme le rapport le dit? Non. Avez-vous participé à des visites de terrain? Non. Non. Avez-vous procédé à des consultations? Non. Et quels étaient vos rapports avec les autres membres de la commission? Comment ça s'est passé là-bas? Ou bien la commission n'avait aucun rôle précis?
hein, à accomplir de façon pratique, de façon pragmatique. Je ne comprends pas. Quelle était la raison d'être de cette commission, mon colonel? Non, la commission a été constituée, comme je l'ai tantôt dit, nous étions presque les moins gradés. Et les commissions ont été, les sous-commissions ont été constituées. Ceux qui étaient à l'époque à la tête, c'est eux qui ont travaillé. Moi, je venais régulièrement dans la grande salle au palais du peuple. Et c'est là où on restait toute la journée. Après, on rentrait. Je venais d'être affecté au PM3 à l'époque. Il y avait combien d'officiers de police judiciaire relevant de la gendarmerie, puisque vous êtes gendarme et vous étiez, voilà. Il y avait combien d'officiers de police judiciaire qui évoluaient au sein de cette commission d'enquête nationale et indépendante, qui relevait de la gendarmerie, bien entendu. Moi, oui, je ne retiens pas le nombre, mais il y en a qui sont décédés, comme le colonel Antoine Dramou Coq, paix à son âme. Il y en a qui sont en activité, qui sont en service à la gendarmerie, mais je ne peux pas dénombrer. Mais il y a une liste, il y a la liste. Ça pouvait faire 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50, combien? Ah oui, c'était nombreux, pas la gendarmerie seulement. Hein. Oui, c'était une grande liste. Ça pouvait faire 50 personnes? Non, 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 ça c'est excessif. Mais 20 personnes? Je ne peux pas préciser, maître, sinon je vais mentir. Et est-ce que vous savez que dans le cadre de sa mission, la commission a eu à entendre à recevoir les personnes ci-après. Je lis, hein, des ministres, des officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie, des officiers de police, des leaders des partis politiques, des responsables politiques, des maires de communes, des directeurs nationaux, des religieux, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des secrétaires, des responsables des structures indépendantes, des citoyens victimes ou témoins. Au total, la commission a rencontré 508 personnes. Vous n'aviez entendu personne parmi ces 508? Je n'ai même pas assisté à une audition. Vous n'avez pas entendu de ministre? Non, non, non. Vous n'avez pas entendu d'officier? Non. Vous n'avez pas entendu de sages-femmes, d'infirmiers? Non. Personne? Non, non, non. Et les autres membres de la commission, les autres officiers, vous ont-ils dit qu'ils ont eu à entendre des personnes dans le cadre de leur mission? Oh, nous, on n'échangeait même pas sur ça. On n'échangeait pas sur ça. Vous ne changez pas sur ça? Non, non, non. Or, vous étiez confié à la même mission? Oh, oui, c'est là. Nous étions des petits Mamadou. Lieutenant, à l'époque, ce n'était pas grand-chose. Et pour la rédaction du rapport qui a suivi les travaux de cette commission, avez-vous été associé? Non, non, non. Vous n'avez pas été associé? Pas du tout. Pas du tout. Quels sont ceux qui ont rédigé ces rapports? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Là. Ouais. Je ne sais pas. Votre comparution crée vraiment un véritable problème. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Je voudrais demander à mon colonel qui était l'adjoint direct de colonel Baouri. L'adjointe du colonel Baouri à l'époque, c'était le colonel Fatoumata Liopou. Fatoumata Liopou. Ah bah, je crois bien. Je commence d'abord par vous remercier pour votre parcours atypique. Merci, maître. Faites partie de
vraiment des gendarmes que moi personnellement j'apprécie. Alors, est-ce que lorsque vous avez été nommé, le madame est restée à son poste? Non, elle a été remplacée sur la même décision. Je suis arrivé avec le lieutenant Morley Camara, qui auparavant était le secrétaire du service, qui a été mon premier adjoint. Okay. Et actuellement à Bokeh, comme commandant de groupement. D'accord. Le jour du 28, est-ce que vous étiez au PM3? Affirmatif. Toute la journée? Oui, toute la journée. Quelle était la consigne que vous avez reçue ce jour-là? Non, il n'y avait pas de consigne particulière. C'est toujours la même chose. La vigilance et le service quotidien. Il n'y avait rien de spécifique. D'accord. Ou de particulier. Donc le 28, il y avait des personnes en garde à vue dans vos violons là-bas? Oui, oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y avait des gendarmes aussi qui étaient là. Oui, c'est possible. Il y avait beaucoup de personnes, c'était mélangé. D'accord. On envoyait des militaires, des gendarmes en punition et des civils aussi en attente d'être déférés vers les tribunaux de première instance. D'accord. Est-ce qu'une équipe a quitté dehors pour venir vous rencontrer et vous demander de mettre le colonel Kalonzo à sa disposition pour aller ce jour-là pour une mission? À votre connaissance? À ce que je sache, non. Je ne l'ai ni appris, ni su. D'accord. Ni vu. Autrement dit, est-ce qu'un seul interpellé et placé en garde à vue ou suspect avait pu quitter le violon ce jour-là pour se mêler aux événements qui se passaient au stade? Ce n'était pas possible. C'est pas possible. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui signifie que tous les suspects ou les mis en cause qui étaient dans vos violons, personne n'est sorti. Ce n'était même pas possible. C'est pas possible. C'est pas une maladie. Oh, c'était pas possible. D'accord. Pas du tout. Alors, toujours dans notre souci d'éclairer la religion du tribunal, ainsi que le parquet d'ailleurs, le procureur près ce tribunal avait adressé un courrier à monsieur le commandant de la brigade de recherche de Matam. Le courrier date du 18 novembre 2022. Je voudrais porter la réponse de ce service à votre connaissance, en partie, et bon, provoquer votre réaction. Je n'étais pas là, j'étais à l'étranger. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Attendez la question. Okay. Donc, ce courrier en réponse disait, en 2020, la direction des investigations judiciaires PM3 a été dissoute au profit de la section de recherche de la gendarmerie nationale avec pour commandant le colonel Abdulrahim Baldé. À l'avènement du CNRD, la section de recherche a été érigée en direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et délocalisée en novembre 2021 à la Villa 36. Pour toute information, en définitive, nous ne serions à mesure de satisfaire à votre demande car nous ne possédons aucune archive sur le PM3 d'alors. Pour toute information relative à ce fait, nous vous suggérons de bien vouloir entrer en contact avec le commandant de l'ancien PM3, colonel Baouri et colonel Tamba Gabriel Diawara. Ce courrier est signé par le capitaine Ali Badra Silla. Est-ce que vous savez que vos successeurs ont indiqué que c'est vous qui pouvez mieux éclairer la religion du tribunal? Ali Badra Keta. C'est écrit Ali Badra Silla.
Non, je ne le connais pas. C'est Ali Badraketa. C'est l'escadron mobile numéro 3. Non, c'est plutôt la brigade. Non, c'est plutôt le commandant de la brigade de recherche de Matam qui a donné cette réponse. Ah oui, d'accord, ok, ok. C'est là, le capitaine. Voilà. Ok. Donc, lui, en réponse au courrier de M. le procureur, dit que vous êtes mieux placé pour éclairer la religion du tribunal. Si oui ou non, le 28, le colonel Kalonzo était en prison ou pas. Je ne peux pas préciser pour dire que le 28 était en prison, mais ce que je peux confirmer, je le réitère, il est passé au PM3. En plus, moi, je suis venu au PM3 vers la fin de l'année 2009. Je ne peux pas décrire le contexte ou l'ambiance qui y régnait à l'époque. Pratiquement, il n'y avait pas d'archives quand nous quittions le PM3. Le PM3, je l'ai dit tantôt, était dans une vétusté indescriptible. Des bâtiments coloniaux mal entretenus et qui tombaient. C'est ce qui a prévalu à la délocalisation de cette unité pour Matam. Très bien. Et le PM3 de Matam le service a été dissous dans des conditions que je ne décris pas aussi. D'accord. Parce que Rahim, il ne m'a pas remplacé. C'est la section de recherche qui s'est substituée au PM3. D'accord. Il n'y a même pas eu de passage entre nous. D'accord. Au lieu qu'un autre commandant ne vienne comme directeur des investigations, c'est la section de recherche qui a été installée sur ce site. Et moi, j'ai été nommé inspecteur technique de la gendarmerie. Bien. Et tous les documents, nous avons laissé les documents sur place. D'accord. Mon colonel. Oui. Le commandant Baouri, qui était votre chef au PM3. Oui. Vous confirmez qu'il était parti à l'extérieur pour les soins? Je le confirme. C'est à son retour que vous avez été nommé ou pendant qu'il était à l'extérieur? C'est pendant qu'il était à l'extérieur que j'ai été nommé commandant du PM3. Entre son départ et sa nomination, il s'est passé combien de temps à peu près? Je ne peux pas... Surtout qu'il est vivant. Tout ce que je dirais ici, ce serait de l'imagination. Un mois, deux mois, à peu près. Des fois, il pouvait faire un mois, hein, parce que c'était souvent une visite médicale. D'accord. Qu'il effectuait à l'étranger. Vous étiez au courant le jour de son départ? Non. Je suis après. Je n'étais pas son adjoint, je n'étais pas... Et le jour de son retour? Le jour de son retour... J'étais déjà commandant du PM3. Qui vous a passé le service? Le service m'a été passé par son adjointe. Mais en prenant service, le colonel n'y était plus. Le colonel n'y était plus. Et d'accord. Ça a été organisé par les ressources humaines et l'inspection technique à l'époque. Le feu colonel Balamou était inspecteur technique. Et le feu colonel Abou était chargé des ressources humaines. D'accord. Bon, voilà ce que le colonel Kalonzo déclare. Et vous allez apprécier, s'il le faut, en tant que témoin, avec la permission de Monsieur le Président. Le colonel dit qu'il est inculpé pour des faits de coups et blessures volontaires, excusez-moi, corps au moment des événements du 28 septembre 2009, pour lesquels il est inculpé, il était en détention du 3 août au 6 novembre 2009. Soit plus de 3 mois au peloton numéro 3 Matam sur instruction du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale à l'époque. Qu'il y était détenu pour des faits de détournement portant sur un montant de 48 millions de francs guinéens suite à la plainte déposée contre lui par son chef colonel Moussa Tchiboro Camara, que plusieurs personnes peuvent témoigner sa détention au PM3 au moment des événements du 28 septembre 2009, notamment
colonel Mamadou Ouriba, commandant du peloton à l'époque et actuellement à la retraite, colonel Tamba Gabriel Diawara et l'actuel commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Que d'ailleurs, c'est à sa sortie le 6 novembre 2009 qu'il a été nommé conseiller militaire à la société Frigia, qu'il a rejoint le lendemain, soit le 7 novembre, pour servir jusqu'au 10 août 2010, date à laquelle il a été relégué et mis à la disposition du haut commandement de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Est-ce que maintenant vous savez que c'est le 6 qu'il a été libéré, le 6 novembre? C'est lui qui le dit. Bon, je crois que Mohamed Oumar n'est pas aussi défaillant jusqu'à ce point. Oui. Le 6 novembre. Ça me paraît perplexe. Ce que je sais, et je reviens sur mes mots, sa sortie est antérieure à ma nomination comme directeur, comme commandant du bureau des investigations judiciaires à l'époque. J'étais lieutenant. Et je crois, j'ai été nommé au mois d'octobre. Vous avez parlé... 6 novembre, non, je ne crois pas. Vous avez parlé de la date ici. Notre client dit qu'il a été libéré le 6 novembre, à sa sortie. Et le lendemain, comme vous l'avez dit, nommé conseiller militaire à la société Frigia. Et le lendemain même, le 7 novembre, il a rejoint le poste 2009, où il a travaillé jusqu'en 2010, le 10 août, date à laquelle il a été remis à la disposition du haut commandement. Ce qui veut dire, avant le 6 novembre, il était effectivement détenu au PM3. Vous pouvez le confirmer? Je ne conteste pas, mais moi, quand le colonel Kalonzo sortait de la prison, c'est le colonel Baouri qui était commandant du PM3. D'accord. Et j'étais lieutenant. Okay. J'ai été nommé commandant de la directeur du bureau des investigations. J'étais lieutenant. Et lui n'était plus au PM3. Et il est sorti au moment où le colonel Baouri était. Et le jour que le général m'a appelé, je ne me rappelle pas, mais c'était un week-end. Il a dû sortir un samedi ou dimanche, il sait. C'était un week-end. Moi, je suis venu au bureau. Je n'ai pas trouvé en prison. Le général m'a appelé. Je l'ai rendu compte. C'est le colonel Baouri qui était. Il était même à l'étranger. C'est Baouri qui était commandant du PM3. Certainement, il s'est trompé sur la date, mais non. Oh, voilà ce que déclare le colonel Baouri, lui-même interpellé par voie d'huissier, versé dans le dossier de la procédure. Le colonel Baouri, Mamadou Ouriba, déclare « Je me rappelle bien qu'au moment où j'étais commandant de peloton au PM3, le colonel Kalonzo a été déposé en prison au PM3 par le biais d'écrou du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale à l'époque, suite à la plainte du colonel Moussa Tchibro Camara. Cet emprisonnement consistait pour lui une punition par son chef de service. » C'est ce que déclare Mamadou Ouriba. Oui, mais maître, le colonel Baouri, qu'en dites-vous? Il sait que colonel Baouri, il sait qu'un officier, c'est pas un billet de cours qu'on met sur un officier. Si c'est un billet d'arrêt ou un billet de cours, pour sa sortie, on exige la levée de cours. Et ça, c'est la nouvelle génération. Oui, la levée de cours. Si on met 4 jours sur l'intéressé, à l'expiration du 4e jour, vous envoyez la levée de cours. Et moi, je l'exigeais au PM3. Si la levée de cours ne venait pas, je libérais les gens. Vous êtes chef de service. Vous mettez un billet de cours pour 4 jours. Les 4 jours expirent. Vous continuez à laisser l'intéressé en prison. C'est un abus d'autorité. Plus de simple. Je libérais.
En tout cas, de toutes les façons, il précise bien ici que c'est sur plainte du colonel Tchebro Camara. Plainte, il dit encore punition. Et un bien de crew. C'est contradictoire. Voilà. Donc, le colonel Mamadou Ouriba précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009. Pour des fins de traitement. Mais en quittant, Kalonzo était toujours en prison. Ça, c'est ce procès verbal d'huissier interpellé. C'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel Tamba Gabriel Diawara. Qu'en dites-vous? Le colonel Baouri, il a effectué deux déplacements à l'étranger. Deux déplacements. Mais pour le c'est le deuxième déplacement. Oui. C'est au deuxième déplacement que j'ai été nommé à son insu. Non, le déplacement du 27, il a bien précisé. Oui. Le 27 septembre, il est parti au Maroc. Oui. Et en quittant, Kalonzo était en prison. Voilà. Est-ce que c'est à lui qu'on peut croire ou à une autre personne, selon non, vous? Non, il faut le croire parce que c'est ce que j'ai dit. Quand Kalonzo sortait, il n'était pas là. Il était à l'étranger. Moi, quand on me nommait, il était à l'étranger. C'est ça? D'accord. C'est ce qui m'a même permis d'oser prendre Kalonzo, l'amener chez Djibourou. Parce que Baouri était absent. C'est ça? Mais voilà, maintenant que c'est la date là, ça, Baouri lui-même dit qu'il a voyagé le 27. Ouais. Et c'est dans l'intervalle que vous êtes parti avec Kalonzo rencontrer le colonel Tchebro. Bon, maître, je ne... Est-ce que... Je tiens beaucoup à ce que je dis. Oui. Parce que je ne veux pas, nous-mêmes, je nous-mêmes. Pas, je ne veux pas mentir. Nous-mêmes. Au moment où vous ouais. êtes parti, vous étiez parti rencontrer le ministre Tchebro à l'époque, ouais. le colonel Baouri était à l'extérieur pour des soins. Vous avez offert oui. vos offices oui. en tant que camarade. Oui. Sinon, il y a madame, vous avez dit son nom. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, en ce moment précis, le 27, Baouri était au Maroc. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le 28 que vous avez fait cette démarche ou le 29 non, non, ou le non, premier? Non. Le 28, je n'ai pas effectué de. Vous n'êtes pas sorti. Non, non, non. C'est qui signifie au service. Voilà. Colonel Kalonzo aussi n'est pas sorti le 28. Ah. Parce que si vous vous êtes déplacé, est-ce qu'on peut dire que c'était après le 28? C'est possible. C'est pour ça que j'ai mis dans la fourchette là. Il ne peut pas. En tout cas, le colonel Baouri n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est dans la fourchette là que je mets. Ah. Mais je ne veux pas mentir. Et aussi. Quand le colonel Baouri. Quand je dis un truc, je ne veux pas demain. D'accord. Non, je ne veux pas. Quand le colonel Baouri est revenu, est-ce que vous l'avez rendu compte de votre démarche? Le colonel Baouri? Oui. Quand il est revenu, je ne pouvais plus lui rendre compte parce que c'est moi qui commandais là-bas. Voilà. Ah, c'est ça? Une raison de plus. J'étais le chef, je n'avais plus de compte rendu à lui faire. Mon général, pardon, je souhaite le grade de général. Hein. Je sais que ça va arriver, s'il plaît à Dieu. Mon colonel, maître, si vous savez qu'un Guinéen a participé aux événements du 28, vous le laissez partir? De façon maître, générale. Maître, si vous savez qu'un Guinéen a participé aux événements du 28 et il est passé par votre service, vous pouvez le laisser partir? Ce n'est même pas possible. Ça, c'est possible? Ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Si vous savez que le colonel Kalonzo avait participé aux événements pendant que vous étiez dans la commission, oui ou non, allez-vous le dénoncer? Je l'aurais déféré. C'est clair. Je l'aurais déféré. Ou bien? Sur mon serment. Il ne l'est pas échappé. Et sur la morale, je l'aurais déféré. Voilà. Ça, on reconnaît ça de vous quand même. Les mots me manquent. Je vous remercie, monsieur le président. Vous en prie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas intervenir, mais mon colonel, maître,
Avec la permission du tribunal, la défense du colonel Ibrahim Kalonzo voudrait vous remercier pour votre déplacement et surtout la logique et la cohérence avec laquelle vous vous exprimez devant ce tribunal. Merci. Mon colonel. Maître. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas venu devant ce tribunal pour émettre un avis sur la régularité ou non de la rétention ou le mise en arrêt du colonel Ibrahim Camara dit Kalonzo? Vous le savez, oui ou non? Je le sais. Je le sais. Vous êtes un officier de police judiciaire aguerri. Ce parquet est allé jusqu'à vous demander sur votre rôle à un moment donné qui pouvait consister à visiter les lieux de placement en garde à vue. Oui ou non, même ces endroits dans ces différents commissariats et services de police et de gendarmerie, oui ou non, ces différents services sont sous l'autorité, sous la direction également du parquet, ministère public. Oui ou non? Le parquet assure la direction de la police judiciaire. C'est évident. Le parquet de Dixine qui vous pose cette question-là, est-ce que s'il s'était intéressé à cette situation, oui ou non, il pouvait l'avoir à travers le parquet de Kalumu, oui ou non? Bon. À l'époque... Je n'ai pas de réponse à ça, maître. Ben oui, c'est vrai, c'est votre supérieur. Mais ici, le parquet est parti. Point barre. Et il ne peut pas vous poursuivre pour ça. Donc, je reviens au débat. Et on vous a posé la question de ce que vous savez des événements du 28 septembre. Vous avez dit ce que vous devriez dire. Mais nous, on vous a fait venir pour des motifs précis, pour des raisons précises et pour des réponses concises. Et nous les avons. Le tribunal a aussi les réponses, en tout cas, aux questions qui vous sont posées. Je veux vous demander, la partie civile de l'autre côté est allée jusqu'à vous dire, est-ce que en rentrant, soit dans un violon ou dans une salle, au fait des jeux de mots parfois qu'ils ne maîtrisent pas. Mais moi, je vais vous parler en termes militaires. Concernant le colonel Ibrahim Camara dit Kalonzo, au moment des faits, en tant que capitaine, oui ou non, et étant d'ailleurs l'adjoint du colonel Moussa Kegboro Camara, oui ou non, la décision de le mettre aux arrêts pouvait être ordonnée soit par le haut commandant à l'époque, ça, il n'existait pas, il n'y avait pas encore. Ça n'avait pas été érigé en haut commandement, mais par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale ou le chef d'état-major adjoint. Oui ou non? S'il devait faire l'objet de mise aux arrêts, oui ou non? Ça pouvait être ordonné soit par le chef d'état-major ou le chef d'état-major adjoint. Oui ou non? En 2009. Non. Parce que le colonel Ibrahim Camara a été placé pour... fonction auprès du colonel, pour au service auprès du colonel Kegboro. C'est lui qui était son chef direct, qui pouvait évidemment prendre des mesures ou ordonner au commandant de prendre des mesures au cas où il violerait un règlement du service militaire. Ce qui est du fonctionnement maintenant de l'antidrogue du service, ça c'est autre chose. Mais le cadre militaire, le colonel à l'époque, il pouvait ordonner au commandant de prendre des mesures contre le capitaine. Bien.
Et s'il ordonne, s'il donnait en sa qualité de ministre et d'ailleurs supérieur hiérarchique de colonel Ibrahima Camara dit Kalonzo, s'il ordonne au chef d'état-major de la gendarmerie ou à l'adjoint, si ce dernier établissait un biais d'arrêt, oui ou non, ça pouvait être exécuté. Si, c'est clair. Bien. Dans le cas de l'espèce, la défense de Kalonzo est très à l'aise dans ce procès et le tribunal est édifié par rapport à tout ce qui a été développé ici. Il a été dit, soutenu et établi d'ailleurs que M. Ibrahima Camara dit Kalonzo a duré, a mis beaucoup de temps au PM3. Oui ou non, vous le confirmez? Je le confirme. Je le confirme. Oui ou non, quel que soit le temps, ça fait longtemps, certes. Oui ou non, au moins, la première fois que vous l'avez vu au PM3, oui ou non, c'était avant le 28 septembre 2009. Oui ou non? Bon, ne m'amenez pas dans cette précision. Je sais, je l'ai dit, c'est dans la fourchette du mois d'août au mois de septembre. Oui. Du fait d'ailleurs qu'il a mis du temps, c'est ce qui m'a poussé à aller voir le colonel Tiboro. Oui. Si c'était une simple punition, je n'allais pas m'intéresser à ça. Oui, mon colonel. Vous voulez, là où vous m'amenez, je ne veux pas que vous m'amenez à mentir. Mon colonel, je ne vous amène nulle part. Oui. Si nous prenons le mois d'août, mois de septembre, les faits qui sont poursuivis se sont déroulés le 28 septembre. Le 28 septembre, ça veut dire que août, tout le mois de septembre, presque, ça ne restait que 3 jours avant que le mois de septembre ne finisse. Moi, je ne sais pas ça. Ce que j'ai dit, je maintiens ça. Oui, non. Oui, je suis d'accord. Mais on évolue de façon simple. Hein. Mais au moins, est-ce que vous êtes d'accord et vous confirmez par devant ce tribunal que au moins, vous vous rappelez que le temps mis par monsieur le colonel Ibrahima Camara dit Kalonzo dans ces locaux-là dépassait largement tout cadre, en tout cas le cadre d'une procédure judiciaire ou disciplinaire, oui ou non, avec le temps que vous avez vu, oui, qu'il a fait, oui, ça oui. Dépassait largement. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez le dire à haute et intelligible voix devant ce tribunal pour que son attention particulière et que cela soit acté dans le primitif? Même un jour de plus, même une heure de plus que le délai légal, c'est trop. Un jour de plus, c'est trop. Oui. Alors, je ne peux pas aller au-delà de ça. J'ai dit qu'il a mis du temps. Il a eu du... Et je suis formel. Oui. Je ne peux pas changer. Oui. Mon colonel, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais sauf que nous sommes en train de poser des questions à un officier de police judiciaire très aguerri. Mais par rapport à des événements qui se sont déroulés il y a de cela au moins plus de 12 ans. C'est extrêmement important. En 2009, au moins, nous savions combien de fois les services fonctionnaient. Est-ce que, si c'est vous qui avez eu à travailler dans son dossier comme officier de police judiciaire, oui ou non, vous aurez pris toutes les dispositions pour laisser toutes les traces écrites tant de sa rentrée que de sa sortie. Oui ou non, vous l'aurez fait? C'est clair. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais vous ne l'avez pas fait. Est-ce que le simple fait de le voir, ce n'est pas des circonstances de fait? Ou bien est-ce que c'est en vertu de cela que vous comparaissez par devant ce tribunal, ou bien c'est parce que vous avez eu à poser des actes comme en votre qualité d'officier de police judiciaire? Bon, moi je me dis que certainement j'ai été cité comme témoin par le colonel Kalonzo avec lequel j'ai échangé et je lui ai dit, il le sait, il est là, il entend. Bien. Je ne mentirai pour personne. Bien, merci. Merci pour personne. Merci mon colonel.
Mon colonel. Est-ce que vous avez eu à parler avec lui avant d'être là? Non, j'ai parlé avec lui. Ils m'ont cité comme témoin. J'ai parlé avec Maître Béa. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire. Je les ai dit, si vous me faites venir, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Ce que je sais, c'est ce que je dirai. Je ne me dirai jamais. Je tiens à cette crédibilité. Ça, je tiens à ça. Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je ne veux pas dire et que demain, ah non, c'est le colonel qui a dit ça. Ce n'est pas possible. Vous pouvez continuer. Oui, et voilà. Et heureusement que vous vous rappelez du commandant Kader? Il y a beaucoup de cadres à la gendarmerie. Hein. Oui, est-ce que... Il y a un cadre qui a Kindia comme préfet, qui était au Bata, Bangura, qui était au Bata. Ah oui, Mouma, oui. Qui était tout le temps recherché, soupçonné dans les mouvements. Oui, oui. Vous vous rappelez? Si. Est-ce que vous rappelez qu'en 2009 aussi, il avait été retenu, il était également dans les locaux? Je sais. N'est-ce pas? Je sais. Vous l'avez vu là-bas, n'est-ce pas aussi? Si. Est-ce que c'est vous qui l'avez conduit là-bas? Non. Il a fait combien de temps selon vous? Beaucoup de temps aussi, non? Il a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui ou non, c'est une preuve, c'est la preuve éloquente de ce que vous dites ici et de ce que colonel Ibrahim Camara dit, Kalonzo a dit par rapport au temps excessif. Non, il a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il a fait plus de 2-3 mois. Hein. Bien. Et est-ce que vous vous rappelez d'un vendeur, d'un distributeur de romans, M. Diallo? Bon, je ne voudrais pas citer son nom, mais au fait, d'accord, je veux un peu, bon, d'accord, moi je passe au trop. Mon colonel, et vous dites que si le tribunal se refère, si le parquet se refère, et si nous on se refère à la date de la nomination du colonel Ibrahim Camara comme conseiller militaire, que ça règle toutes les questions de date, ou non? Exact. Vous confirmez que c'est le lendemain de sa sortie qu'il a été nommé là-bas ou parti dans sa nouvelle fonction? En tout cas, c'est le lendemain qu'il me l'a dit. Bien. Vous confirmez également que c'était un week-end aussi. Oui, bien. Un week-end. Je vous précise que le 7 novembre 2009, c'était un samedi. Un week-end. Le 7 novembre 2009, c'était un week-end. Le 1er novembre, c'était un dimanche. Certainement le jour où vous êtes passé au grade de capitaine. Et M. Camara a dit que c'est le 7, il a rejoint son poste à Fria. Est-ce que vous pouvez avec le temps, oui ou non, vous pouvez oublier la date à laquelle vous avez été nommé comme commandant? Oui ou non? Maître. Oui. Même demain ou après-demain, je peux déposer l'acte là ici qui m'a nommé commandant du 23. Oui. Je ne pense pas avoir oublié. Et je sais que le colonel Kalonzo est sorti de prison au temps du colonel Baouri. Oui. Qui était à l'étranger. Oui. Je sais ça. Oui. Certainement, c'est lui qui s'est trompé de date. Pas moi. Oui. Oui. Je maintiens la date. Hein. Oui. Vous savez, moi je ne discute pas beaucoup les questions de dates. Oui, parce que mais le problème, le 6 novembre, je ne crois pas. Non, les questions de dates, je suis sûr, si même pas nous, hein, même le tribunal ne saurait se fier trop. Parce qu'il y a eu des questions ici, même si on demandait au parquet tout à l'heure, à quel moment, à quelle heure il a posé cette question-là, il peut ne pas être convaincant. Moi, je veux simplement que nous soyons situés dans le temps et dans l'espace. C'est tout. Les questions de date, est-ce que si vous saviez que par rapport à tout ce que vous avez fait pour et le règlement du démêlé entre colonel Tchegoro et colonel
Kalonzo, si vous saviez que cette question-là allait vous être posée, oui ou non, vous seriez mis à l'abri en ayant tous les éléments de preuve, tous les éléments matériels avec vous, oui ou non? Bien sûr. Bien naturellement. Bien sûr. Et vous confirmez quand même que le 27, à la veille des événements du 28 septembre, que le commandant du PM3 à l'époque, commandant Baouri, a fait un déplacement à l'étranger, au moins à la veille. Ne pas être juste, mais à la veille. Je l'ai appris ici, mais je sais qu'il a voyagé. Oui, parce que vous ne pouvez pas dire c'est... Mais la date... Exact, c'est pourquoi... Je sais qu'il y a certains mois, j'ai été nommé à son insu. Bien. Et c'est là où ça se recoupe. Oui, oui. Moi, je vous comprends, je vous fais entièrement confiance. Et ce qui est logique également, et cohérent, s'il est établi que vous avez réussi à régler le différend entre le ministre Tchegoro et Kalonzo, si vous avez réussi à régler le différend là, en l'absence du commandant du PM3, oui ou non, ça suppose que vous aviez des pouvoirs susceptibles de pouvant vous permettre d'effectuer une telle mission, oui ou non? Je ne suis pas... C'est-à-dire, je veux dire, pendant que le commandant PM3 n'est pas là, vous n'êtes pas commandant, vous n'êtes pas adjoint, vous n'avez pas reçu pouvoir du commandant ni de l'adjoint de régler. Mais en tant qu'officier de police judiciaire, ayant constaté une histoire de malentendu entre un de vos camarades et un de vos aînés, si vous réussissez à régler cette histoire en l'absence du commandant, étant donné que ce n'est pas vous qui l'avez placé ou qui l'avez mis aux arrêts, oui ou non, vous ne saurez réussir cette mission qu'en vertu au moins d'un certain nombre de pouvoirs, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce n'est pas en vertu de ces mêmes pouvoirs que vous êtes permis de rendre compte au chef d'état-major de la gendarmerie? N'est-ce pas? Bon, oui. Logiquement, le colonel Baouri était mon chef. Oui. Mais le général Baldé, oui. Le colonel Tchebour et moi sommes des camarades. Nous appartenons à la même promotion. Oui, moi je sais ça. Il y a ce truc-là qui a un peu joué dedans. Oui, moi je sais. Oui. C'est pourquoi je ne veux pas aller dans mes connaissances personnelles. Hein. Moi, je veux rester dans les faits. Moi, je ne veux pas rester, je ne veux pas aller sur ce terrain. Ce que je veux dire, le PM3, le service-là, est-ce que vous pouvez accepter de nous dire PM3, ça veut dire quoi? Pour au moins même ce parquet-là ou ce peuple-là, ça signifiait quoi? Non, PM3, c'est une ancienne appellation depuis la Révolution. Oui. On disait PM3, peloton mobile numéro 3. Il y avait le PM1, PM2, PM3, ainsi de suite. Bien. C'était une ancienne appellation qui a perduré. Et les gens ont toujours ça en tête. Oui, mais... Voilà. Oui, effectivement, ce peloton mobile, à l'époque... Oui ou non, avait aussi une certaine mission disciplinaire à l'égard des hommes, des militaires, des gendarmes, oui ou non? C'est évident. Comme une forme de police militaire à l'époque. Ça jouait les deux. C'est ce que le parquet là ne comprend même pas dans le fonctionnement du PM3 à l'époque. Et ça joue les deux. Voilà. Mon collègue, vous confirmez que après avoir réussi à régler le démêlé entre les deux, vous avez rendu compte au chef d'état-major de la gendarmerie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que certainement que en dehors de vos relations de promotion entre vous, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, colonel Tchegoro, qui était ministre, ouais,
et Calonzo, en dehors de ces relations-là, est-ce que il pouvait exister d'autres moyens ou d'autres mécanismes qui pouvaient vous permettre de rendre compte des œuvres effectuées entre les deux au chef d'état-major de la gendarmerie? Est-ce que ça, c'était possible? Je ne pouvais même pas m'élever contre la décision de son incarcération. Bien. C'est les relations qui ont prévalu. Bien. Vous avez connu François Béavogui? Vous vous rappelez? C'est mon ancien en France. C'est mon ancien en 2009. Oui. À quel moment? Il est resté au commandant adjoint jusqu'à quel moment? Vous vous rappelez? Bonsoir. C'était, je crois, en 2009. Hein? Oui, toujours en 2009. 2009. Mais est-ce que le jour, le mois, vous pouvez vous rappeler de non, ça? Non, 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 non. Vous ne pouvez pas vous rappeler de ça? Pas du tout. N'est-ce pas? Non. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, Baldé, est-ce qu'il s'est rendu à votre service et au cours de laquelle visite, il a demandé de régler des situations en détention ou en rétention excessive, notamment du cas de Ibrahima Camara, dit Calonzo. Est-ce que vous vous rappelez? Non, parce que le général Baldé, à l'époque, nous sommes allés à Matam, le colonel... Est-ce que vous vous souvenez de cela? C'est pas arrivé. Une autre question. C'est ce que je voulais lui faire savoir. C'est pas arrivé. Bon. Le colonel Calonzo n'a pas c'est été bon, s'il vous plaît. Oui, on va aller vite. On va aller en finir maintenant. Et le 28, mais vous confirmez que le 28 septembre, vous ne pouvez pas. Vous confirmez que ce n'est pas le 28 septembre, M. Ibrahima Camara a été libéré. Qui Calonzo? Le 28, moi, j'étais au service. Ce jour-là. Non. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez déjà posé des questions. S'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas de questions de l'autre côté? Il n'y a plus de questions de l'autre côté. Allez-y. De nouvelles questions maintenant. Au commandant Baouri, tout à l'heure, le séjour de Baouri, médical, il a précisé que Baouri aurait déclaré que c'était le 27 qu'il a fait le déplacement sur l'étranger. Ça, c'est évident. Vous ne dites rien par rapport à ça? Ah, je ne dis rien par rapport à ça. La date, non, mais je sais que mon chef de service à l'époque a effectué un déplacement à l'étranger. Et c'était le 27? C'est possible. Donc, c'était l'approche du mois de... C'est possible parce que quand Calonzo quittait la prison, il n'était pas là. Et il est évident qu'il n'y a pas eu de sortie au PM3 le 28. Non. Une autre question? Non. N'est-ce c'est pas? Bon. Non. Alors. Donc, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Mordicus, je maintiens. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai terminé. Attendez les questions. Bien. Oui, Monsieur le Président, une nouvelle préoccupation. Monsieur Diawara, Maître. Suite à l'intervention de Maître Béa, vous confirmez que le billet d'arrêt, il a parlé de billet de coup, mais il semble que c'est le billet d'arrêt qui a été émis contre le colonel Colonzo, a été fait par le commandant adjoint de l'époque. Vous le confirmez? Je ne sais rien de ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez disposer, Monsieur Diawara. Je n'ai pas compris. On ne peut pas voir vos yeux. Vous ne voulez pas que le tribunal voie vos yeux.
Ou bien vous êtes... Ce n'est pas habituel. Si vous le, je le fais, c'est à connaissance de cause. Des lunettes de soleil. On veut voir encore vos que yeux. Les lunettes n'ont pas changé ma physionomie. On veut voir vos yeux au moins. En vous adressant au tribunal, c'est des lunettes de soleil. Vous avez... Je vous en prie, monsieur le président. Nous avons des pièces à communiquer. Ces pièces sont relatives à des déclarations qui ont toujours été faites ici concernant le capitaine Moussa Dadis Camara. Il n'a pas fait preuve de compassion à l'égard des victimes. Nous avons ici avec nous, monsieur le président, qui? Oui. À moins que vous ne vouliez suivre le reste de l'audience, vous pouvez partir. Monsieur le Président, très rapidement. Bon, si vous avez fini, est-ce qu'on va vous laisser parler? Vous avez déjà ce que la défense a reçu. Voilà. Donnez à la défense aussi. Voilà, vous avez communiqué, tout le monde va prendre, s'il vous plaît. Si le tribunal ne trouve pas nécessaire, on préfère se limiter là, monsieur le président. Voilà. Mais on voudrait juste apporter cette précision pour la bonne marche de la procédure. Vous n'avez pas reçu? Oui. Merci, monsieur le président. Au même moment, on signifiait la citation à comparaître au colonel Gabriel. Nous avons... S'il vous plaît. Allez-y. Merci. Je disais qu'au même moment qu'on signifiait la citation à comparaître au colonel Tamba Gabriel Diawara, nous avons fait autant pour le colonel Tal, Aguibou Tal, parce qu'il y a un de nos clients ici, l'adjudant Mamadou Keta, qui avait sollicité sa comparution, parce que le jour du 28, ils étaient ensemble dans leur pick-up. Il disait qu'il n'était pas descendu et les autres ont soutenu le contraire. Donc l'huissier, bref, a effectivement rencontré le colonel Aguibou. C'était le mercredi vers 17h. Le colonel Aguibou était prêt à comparaître, mais il a bénéficié d'une bourse pour l'extérieur et il devait quitter le lendemain pour 6 semaines. En concertation avec nos clients, il a demandé alors qu'on puisse servir à son adjoint, qui est un certain Sana Samoura, qui serait le commandant du kilomètre 36. Pendant que nous étions là, l'huissier était là-bas. Il a dit à l'huissier de déposer l'acte au commandement. Donc, si ces formalités sont accomplies, nous aurions souhaité, très respectueusement, monsieur le président, messieurs les assesseurs, dans l'intérêt de notre client, Ali Oketa, que votre tribunal accepte que le colonel Sana Samoura, s'il reçoit l'acte aujourd'hui, puisse être entendu comme témoin dans cette affaire. Je vous remercie. D'abord, le tribunal ne sait pas quand est-ce que vous voulez que la personne que vous avez citée comparaisse devant lui pour être entendu. Demain. Voilà. Vous fixez une date, le tribunal n'est au courant de rien. Je pense que les choses ne,
Nous ne passe pas comme ça, maître. Nous proposons, monsieur le président. S'il vous plaît, on ne va pas en faire un débat. Je pense que vous-même, vous avez dit la dernière fois, vous avez toujours insisté, vous avez un témoin à faire venir, et ce témoin est venu aujourd'hui. Si vous vouliez faire venir beaucoup de personnes, vous auriez dû le dire au bon moment, pour que toutes les personnes puissent venir. Vous ne pouvez pas attendre qu'on finisse d'entendre le témoin que vous avez cité, qu'on finisse de l'entendre et que vous nous parliez d'un autre témoin que vous aurez signifié encore un acte pour qu'il puisse venir déposer demain. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, c'est pour un autre accusé. Ce n'est pas un débat. C'est pour un autre accusé, pas le même. Je pense qu'on a fini avec vous. Ouais. Il faut qu'on évolue, s'il vous plaît. Vous connaissez la démarche mieux que ce tribunal. D'accord, on s'arrête à votre sagesse. Surtout que la dernière fois, on a donné la parole à tout le monde. Monsieur le Président, je vais placer. Bien, s'il vous plaît, on a donné la parole à tout le monde la semaine passée. Ceux qui avaient des témoins à faire venir. Vous nous avez cité un seul. Ce dernier est venu aujourd'hui. On finit de l'entendre, vous nous parlez d'un autre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si chacun devait faire la même chose, comment ça allait se passer? Monsieur le Président, je peux placer un mot? Je pense qu'on vient d'entendre pour le moment le dernier témoin, pour le moment. Parce que le tribunal peut décider de faire venir des gens à tout moment. Et je pense qu'on va passer à une autre étape. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Cette question est réglée. J'ai fini avec vous, maître. Merci, monsieur le Président. Il est produit au dossier beaucoup de CD. Ça avait été l'objet de beaucoup de discussions au début et le tribunal avait dit qu'au moment opportun, ces CD allaient être visionnés par tout le monde. Et je pense qu'on vient maintenant à cette phase. On va pouvoir connaître le contenu de ces CD. Mais pour l'instant, on va attendre à ce que la salle soit préparée pour ça. Et c'est pourquoi on va laisser le soin aux techniciens de faire ça pour la semaine prochaine. On va mettre cette semaine, les deux jours de demain à profit pour pouvoir effectuer cette tâche. Et à partir de lundi prochain, on va pouvoir visionner ces CD ou au moins les auditionner. Parce qu'il y a des CD certainement qui doivent être des audios et certaines qui seront certainement des vidéos. Donc la semaine prochaine, on va procéder à cela. Monsieur le Président. Oui, maître. Bon, nous avons une demande à présenter. La demande, Monsieur le Président, comme ça fait toujours l'objet de débats, même à l'ouverture de ce procès, les pièces à conviction, nous avons sollicité à ce que ces pièces soient mises à la disposition de la défense. Vous avez promis qu'en temps opportun, ça serait fait et que le tribunal se croit bien ou le ministère public, je ne vous prête pas le mot. En tout cas, que des dispositions seraient en train d'être prises pour rendre les différents éléments-là exploitables. Et puisque, en attendant la préparation de la salle prévue pour ce lundi-là, nous souhaiterons vraiment avoir copie de ces éléments, au moins pour nous permettre de les analyser à notre niveau et avant d'être
mis devant des faits accomplis, Monsieur le Président. Comme ça, la semaine pourrait être mise à contribution pour faire parvenir, en tout cas à la défense, ces éléments qui existeraient au dossier. Certainement, je ne sais pas, et vous apprécierez en temps opportun leur provenance et leur mode de production au débat. Mais la meilleure façon pour nous de pouvoir émettre des réserves de droit par rapport non seulement à leur recevabilité, aussi à leur consistance, c'est de nous permettre de les avoir, de les concevoir, de les maîtriser. Et ce serait dans le sens du maintien de l'équilibre des droits des parties. Je vous remercie. Aucune des parties n'a cessé d'émettre. Seul le tribunal a cessé d'émettre. Aucune des parties ne les a. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un truc qui va être mis devant tout le monde. Tout le monde les verra au même moment. Si vous avez des suggestions à faire, vous aurez le temps. Aucune des parties n'a cessé d'émettre. Seul le tribunal les a. Voilà. Le tribunal renvoie cette affaire au 26 février 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.